Eh bien le bonjour survivants et survivantes, on se retrouve pour le 5e épisode de notre aventure avec Stig Takayev. Et aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va pouvoir agencer notre base, menuiser, faire plein de choses. Et puisqu'on a la scie, et oui, on a la scie, on est les rois du monde. Il nous manque un seul truc, un petit marteau, ça serait top. Puisque les marteaux en pierre, on peut les crafter, mais au niveau rendement, c'est quand même pas la même chose. Et puis ça serait stylé d'avoir toute la compile, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai un tournevis encore avec moi. Je suis pas sûr. Donc, écoutez, prenez place. Je vous souhaite un très bon visionnage. Pensez à laisser un pouce bleu, que ce soit en direct ou sur la rediffusion. Je compte sur vous. C'est Spiflo. Bon visionnage. Let's go! Avec le petit feu. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, là. Limite, on pourrait arrêter l'aventure ici. C'est bon. On est les rois, là. Ma petite ballistique veste. Chemise en jean. Longue sleeved terniashka. Hop. On s'était fait tout propre, hein, la veille. Mon casque de pompier. Qui est pas très beau, hein. J'aimerais bien le changer d'ailleurs. Mes gants. Ma petite hache, ceinture gauche. Et la branche que je vais peut-être. Je vais la laisser dans le sac. Et du coup, je le remets sur le dos. On va faire comme ça. On va faire attention, t'inquiète, Verkop. Personne ne veut pas ouvrir de boîte de conserve, celle sans avoir besoin de l'ouvre-boîte, et il veut pas faire de lance alors qu'il a un couteau de chasse sur lui. Jamais, c'est très bizarre ton truc. C'est quoi les boîtes de conserve en question? Et salutations Darka, comment vas-tu? Ah mais il a bien neigé là en fait, hein. Ça va être sympa. J'essaie de communiquer avec le corbeau. Voilà. Des sardines. Ah oui, c'est vrai, oui. Sardines, oui, t'as pas besoin d'ouvre-boîte. Effectivement. Effectivement. Bah écoute, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Après, je t'invite à poser la question sur le Discord. Mon cher CC. Petit Zamanier. Merci beaucoup pour le Zamanier. Mais je t'invite à poser la question sur le Discord. Puisque ce qui est bien avec le Discord, eh bien, c'est que vous êtes en contact avec beaucoup de joueurs. Enfin, beaucoup. Eh, 300, c'est pas mal. Du coup, il y a 15 jours pile. Du coup, il y a peut-être quelqu'un parmi cette équipe-là de 300 personnes qui a déjà eu ce problème. T'as pas Discord? Ah. Bah écoute, peut-être sur le chat, quelqu'un aura la solution. Eh bien, le bonjour, Rebeu des Bois. Comment tu vas? Mais en tout cas, c'est chelou. Est-ce que tu as des mods un petit peu chelous? Parce que tu sais, des fois, on sous-estime un petit peu l'influence que peuvent avoir les mods sur le bon déroulé de ta partie. Il peut y avoir des problèmes, hein, avec les mods, faut faire attention. Salut Keto Winnie, comment vas-tu? Non, en fait, Verkop, il peut tout simplement pas les ouvrir. Donc, il peut pas ouvrir une boîte de sardines. Ce qui est anormal. Ce qui est embêtant. J'ai des modes d'armes, mais je play avec cela depuis un moment. Ok, ok. Oh, ils m'ont pété mon truc! Putain, les vilains, quoi! Ah ouais, c'est toi! La grosse castagne, là. Regardez, si je pouvais taper encore plus, je taperais encore plus, là. Terrible. Salut Tancred, comment tu vas? Non, c'est pas fini, Keto Winnie, c'est pas fini, t'inquiète. T'inquiète pas, rien n'est fini. GDL, le mode de Canapex, c'est peut-être celui-là. Ah,
Ah, ça, faut que tu vois avec lui. C'est... Ou avec Tancred. Tancred peut peut-être t'aider. Puisque Tancred, quand même, s'y connaît. En mode. et problème. Et problème lié au mode, j'ai envie de dire. Vu que lui-même développe un mode, sachez-le. Salut Zeatiax! Comment ça va? Par contre, ça se refait super facilement. On est sur un truc plutôt cool. Attendez. On est d'accord. C'est combien de tissus déchirés? C'est 3, je crois. Faisons. Ah oui, c'est les mods peuvent carrément te faire bugger une partie, voire même te faire bugger le jeu. Ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps à une personne sur le Discord, justement. Qui lui faisait ramer le jeu. Après, sur le Discord, il nous envoie sa liste de mods. Et pétard, il y avait au moins 80 mods. Alors moi, je lui ai dit, tu devrais essayer de lancer le jeu sans mod pour voir. Parce qu'il pensait que l'origine de son problème venait du PC. Et bah du coup, bingo, c'était un problème de mod. Voilà, voilà. Parce qu'il avait vraiment un très très bon PC, bien mieux que le mien. Je vais mettre le lien du clip que je viens de faire. Ah, tu peux pas mettre de lien, BabyJ. Sur le Discord. Si, tu peux guérir même avec une blessure profonde comme ça. Ziatiax, tu peux. Mais en fait, c'est juste que ça met plus de temps à se guérir qu'une égratignure. Après, une blessure profonde, si tu as du fil et une aiguille, tu peux recoudre ta blessure pour que la guérison s'accélère. En principe, c'est les blessures profondes. 80 mode mis à l'arrache. Ouais, non, mais c'est ça, Tancred. C'est exactement ça. C'est des modes qui ont été mis... voilà, c'est une personne qui vient de débuter sur le jeu et qui a vu plein de modes et qui en a mis plein, quoi, tu vois. Et qui a un super PC et il s'est dit, mais attendez... ça marche chez tout le monde sauf chez moi. Bizarre. Bon, bah, c'est une question de... Pour le coup, de mode. Après, ouais, c'est... en fait, dès que t'as un bug sur tes parties, ce que je t'invite à faire, et à tout le monde, hein, vraiment, dès que vous avez des bugs qui n'ont aucun sens, en fait, vous faites pause, vous quittez le jeu, vous relancez une nouvelle game en vanilla, et vous regardez si le bug persiste. Et dans la majorité des cas, non. Bah en fait, Zietax, tu t'es pas obligé de recoudre. Mais ça va être très très lent en fait, très très long. En plus à la main, c'est chiant. Hein. C'est très chiant. Oh, elle est jolie cette petite maison. Merde. Ouais, mais Vercop, toi aussi tu joues avec 40 000 mods ou pas? Parce que c'est ça, faut... Les mods, c'est... Ça influence les performances du jeu, hein, c'est... Il y a un contre-coup. C'est très sympa, c'est très joli, certains apportent beaucoup de choses. Mais quand vous rajoutez 0, ah, alors là c'est peut-être au niveau de tes réglages, etc. Moi je m'y connais pas trop en PC, tu sais. Oui, Ziatiak, je suis sur les deux fronts à la fois. C'est pour ça que des fois t'as l'impression que je parle tout seul. Mais non, t'inquiète, je ne suis pas devenu fou. Ouh, il est sympa ce petit garage là.
J'ai l'impression qu'on va se mettre bien dans cette zone. Faudra qu'on... bien qu'on check la carte, hein. Après. On reprend le loot des montres. Talkie Walkie Toys Air Mine. Je vais enlever la pile. Je vais lui mettre un coup de talkie. Bref. Oh, j'ai pas envie de me le trimballer, du coup je le remets dans le Z. Et salut Dawn, comment ça va? Pas de soucis, Yatiax. Après, Verkop, PZ n'est mal optimisé, hein. C'est... Tu sais, ça a été même avoué par les développeurs, hein. Donc, c'est pas au top. Ah, ça marche. Ok, ça va. Du coup, le pseudo ressemble beaucoup, donc ça va. J'aurai pas de soucis. Comment tu vas, Dawn, aujourd'hui? Oh, c'est quoi ce truc de fou? Vous avez vu le stockage de malade? Attendez. We have to be careful, guys. Ouais, je me crafte des lances ou... même des marteaux en pierre. Pour castagner. Il y a 40 000 puits, par contre. Hein. Ça, c'est fou. Hein. C'est le village des puits. As-tu vu le nombre de puits? Un barbecue! Nice. Hey. Le barbecue, on va l'embarquer, hein. Lui, il a ouvert. Je rappelle qu'il y a la malédiction du début de stream, hein. Faut faire attention. Ah, mais il y avait une porte là depuis le début? Ah ouais, ok. Verkop, les devs ont dit que c'était qu'elle allait améliorer les, en tout cas l'optimisation du jeu, ils l'ont dit. Après voilà. Hein. J'ai envie de dire, on verra bien quand on y sera. Beaucoup de caisses par contre, c'est pas ouf. La trompette. Ouais ouais ok. À la limite, ça fait des caisses que je pourrais venir piquer pour la base. Je crois qu'il y a un Z encore à l'intérieur. On va switcher avec le tuyau. Vous l'avez vu. Je l'ai vu. On prend le temps. On n'est pas pressé. Le but, c'est de survivre longtemps sur cette aventure, si possible. Qu'on puisse se dire, d'ici quelques semaines, moi... Ah, on l'a bien vu grandir, notre stick Takaïev. Oh, tu te souviens la dernière fois, tu vois? Qu'on puisse dire, tu te souviens? En parlant de cette aventure, voilà. Ça serait beau. Bon, vivement qu'on ait les dindons sur la B42. Hein. Parce que franchement, le fait de les entendre comme ça et de ne pas pouvoir les voir, ça me rend tellement triste. Vous n'avez pas idée. Avec les loups. Les loups et les ours. Ouh, la conserve de petits pois dans l'étagère. Monsieur, merci. J'aimerais bien trouver une boîte de sucre. Boîte de sucre, c'est... Ça carie, hein. La margarine! Let's go! Purée, quel plaisir! La petite margarine!
C'est cet objet qui nous a sauvés dernièrement. Enfin, sur le premier épisode. Sans la margarine, nous allions mourir de faim. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'aimerais beaucoup aussi. Toutes les histoires de PZ se conjuguent au passé. Salut Lord Lama, comment ça va? Alors attendez, je sors la carte parce que là, rien ne va plus. Ok, et du coup, c'est un grand truc, hein, cette affaire-là. Alors je rappelle que sur Project Russia, certains zombies font aucun bruit. Donc faut se méfier. Faut vraiment se méfier. Il y a une planche là par terre, non? Free planche pour le joueur français. Hop là. La maison qui est là-bas, elle est faite. Du coup, ouais, il faut que je fasse ça. La petite paire de ciseaux plantée dans la ceinture scapulaire. On va la récupérer. Magnifique. Couteau de chasse, ça. Je reconnais. Cool, cool, cool. Ah, on peut déjà le faire? Vous êtes des filous, hein. Vous en savez des choses. Vous utilisez des logiciels tierces. Bande de cheaters! Vous allez être Vagban. Indiban. Ouais. Ah oui, moi ça serait cool, hein. Oh, encore un talkie-walkie pour choper une pile. On commence à être prolifique en pile. Je suis très content. Parce que les piles quand même, c'est très important. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup trouver la lampe jaune. Ça serait trop bien que... Vous voyez, ils ont codé un œillet sur la porte. Ça serait trop bien qu'il soit fonctionnel. Qu'une fois qu'on soit là, on puisse avoir vraiment une toute petite vision sur... pour voir s'il y a un Z ou non ici, là. Ce serait top. J'aimerais bien... Oh, une nouvelle banane. Nice. On a la double banane. Plat à rôtir, ça m'intéresse. Faire le cuistot de l'extrême. Le chili con carne, excellent. Le sac en papier spiffo, bah, je vais le prendre pour faire de la déco, je pense. Parce qu'on va rentrer dans un arc de décoration à l'intérieur, hein, je vous préviens. Ah, je vais me faire plaisir. Hein. Et ça, c'est les toilettes. Enfin, les toilettes slash sauna slash propreté, enfin. Capté. Allez, je débarricade. J'ai pas de chance, elle est verrouillée en plus. Ça me fera une planche. Je suis vachement lourd là. Oui, certains jeux intègrent les raccourcis souris, hein. Pourquoi il tient à une main ce, ce zinzin là?
Parce qu'il a débarricadé avec... Ah, bravo. Encore un puits. C'est vrai que Water Goes Bad avec Project Russia. Lorsque vous arrivez dans un village, franchement, c'est vraiment plus un souci. Ils sont beaucoup à l'intérieur. Hein. Ça tambourine. Hein. Oh, le petit lampadaire, il est stylé. Je peux pas le prendre. Non. Oh, lui, il est pas bien. Oh là là, il m'a brain. Bien joué, mon pote. Je respecte, je respecte. Ici, on félicite les aides hein, quand ils font des jolis moves. Ah, ils sont beaucoup en fait là. C'est un merdier. Ça va cogner là. Ok, c'est pas mal. Couteau à pain. Pas des petites montres. Non, non, non. Let's go. Il y a encore des aides là de l'autre côté. Ouh, il y a un casier. Interesting. Ok. Au final, c'était pas ouf. Il y a un zombie à côté là. Ok, il est là. Les bunkers. Ah oui, les bunkers. Ça va être rigolo ça. Hein. Vous savez, il y a des gens, ils y croient pas au bunker. Hein. Sur la dernière vidéo que j'ai fait sur le devlog, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, les promesses, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. » Je lui ai répondu « Mais tu sais, les bunkers qui apparaissent sur la vidéo, bah, ils sont réels, hein, ils ont été codés. C'est juste qu'ils sont pas encore dans le jeu. » Mais il m'a pas répondu après. Je pense qu'il m'a pas cru. Et salut Alexandre, comment ça va? Oh. Ah mais non, il y a une foutue clôture là. Je pensais que c'était tout cloisonné. Ça tient pas à grand chose, hein, c'est con. Faut que je mange un truc en fait. La margarine, let's go. De la calorie en veux-tu, en voilà. Bah ça va très bien Alexandre, très très bien. Tu sais, moi, à chaque fois que je suis en stream, ça va. Si ça va pas, pas de stream.
Non, non, il faut être bien dans sa tête. Ouh là là, c'est quoi ce truc de fou? De malade encore, hein. Oh, la petite baignoire en extérieur. Ça, si je peux le ramener dans ma base, c'est cool, quoi. Juste à côté du sauna, à l'extérieur. Ah, la margarine, ici, ça régale. Les calories. C'est la chasse aux calories. Y a des aides à l'intérieur là. D'ici ce piège. Ils arrivent ensemble pour me piéger. C'est saleté. J'ai vu qu'il y avait un petit couteau là, hein, sympa. Oh là, il est beau, il est beau, il est beau. À quand un katana? J'en ai vu un de katana Verkop. Dans la grande ville. Mais c'est impossible de le récupérer. Il a le même modèle que celui qu'on connaît. Ils n'ont pas modifié le katana par contre. En même temps, katana Russie, bon. Ça n'a pas trop de rapport. Faudrait faire une map Japon. Avec des zombies samouraïs. Non, une map médiévale. Project Zomboid médiéval. Avec des châteaux forts et tout. Oh là là! Oh là là, oh là là, hitbox là, hitbox là, hitbox! Mais je suis sur sa tête là, non! Expliquez-moi! C'est dingue! C'est dingue ça quand même! Tu penses pas que des armures ça serait trop pété? Bah en fait, techniquement, l'armure c'est un truc ultra pété, de base. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y avait des failles sur les armures? Eh bien, c'était la condition physique du porteur de l'armure qui faisait que, bah, techniquement, en combat, il tenait pas 10 minutes, tu vois. D'ailleurs, ça, tu peux le voir sur les compétitions de Béhour. Si t'as déjà regardé un petit peu, tu vois que les combats, ils se finissent souvent au sol, en fait. En fait, une manière de gagner un combat... En soi, c'est de mettre son adversaire au sol, puisque pour qu'il puisse se relever avec une foutue armure, après avoir donné des coups et être fatigué, c'est compliqué. Du coup, au final, je pense que beaucoup de chevaliers mouraient au sol. Avec une armure, tu lootes une maison par jour. Mais je pense que tu la portes même pas, en fait. Tu la portes même pas. Tu mets un coup, t'as le moodle. Tu mets un deuxième, t'as l'autre Moodle, niveau d'après. Et ainsi de suite. Avec des sorts, tu m'as sorti. Ok, c'est ici. Est-ce qu'ils ont pété mes formidables murs en tronc? Non. Ok, j'ai pas été repéré. Il y a encore le feu à l'intérieur?
Oh. Nice. Ah, il trouverait quand même un chemin. Et puis même, tu te ferais écraser tout simplement. Tu te ferais écraser par ces saletés. Purée, il y a une machine qui est en train de passer dans ma rue. J'ai mon siège qui est en train de trembler en fait. Je sais pas si c'est un camion poubelle ou quoi, mais vénère le truc quoi. Alors, faisons l'état des lieux. Si t'es à bout de souffle avec l'armure, tu peux plus te lever, ouais. Tu meurs de faim au sol. Si tu dors avec l'armure, tu te lèves avec des blessures graves. J'ai pas mal de tuyaux en métal, ça c'est cool. Je vais les utiliser demain. Voilà. Et je pense qu'on va faire un peu de lecture devant le feu. Puisqu'il nous faut une source de lumière pour s'éclairer. Eh oui. On va lire Recherche V2 et les trois magazines qui régalent. Voilà. On va faire ça. Je vais changer de gant d'ailleurs. Je vais mettre cela à la place. Le tuyau en métal, on ira le jeter sur un zombie demain. À part ça. J'aurais dû crafter une. Ah bah non, c'est pas j'aurais dû, c'est je peux maintenant. Et crafter une. Une petite hache en pierre là. J'ai ce qu'il me faut. C'est très bien. On va prendre avec les concombres. Les concombres plutôt. Et les petits pois. Voilà. On se la joue comme ça. C'est vachement confortable avec le gambison. C'est quoi le gambison, Pierre? Qu'est-ce cette carabistouille? La hache en pierre, let's go! Si je peux faire trois bûches avec, c'est une réussite. Ah, une veste matelassée, ok. Oui, bah oui, en fait, en général, voilà, ils portaient beaucoup des armures matelassées plutôt. Enfin, des protections. T'inquiète pas, je vais me reposer au sauna. Dans le luxe. Faut juste que je prenne un petit peu de bois pour qu'on puisse passer une nuit au chaud. Tranquille. Double bûche. L'objectif, hein, c'est d'enlever tous les arbres du terrain. T'abuses. Oh là là. Il me reste une branche, tu me diras. Si, par chance, je trouve une pierre affûtée dans le noir, à 21h40 sous moins 21 degrés, eh bien ça peut le faire. Ça va être compliqué. Je vais aller récupérer la hache. Nice! Des petites baies. Je pensais pas qu'on allait trouver quelque chose. Tu penses que la B43 avec les PNJ sortira quand? Waouh! Alors là, mon copain, c'est chaud là.
Si on se base sur la logique de la sortie de la B42, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, 4 ans. En vrai, on n'en sait rien. Déjà qu'elle sorte la B42, on sera tous contents déjà. 2050, la B44, 2056. Elle est où ma petite hache là? Nice. Après, j'aurais pu foutre les planches directement. Mais je suis un aventurier. Le 31 décembre à 23h59. L'esclavage de jeune raton. Ah ouais, toi tu vas avoir des problèmes, toi. Non, bah après, chacun sa sensibilité avec les jeux solo, justement. Moi, ce que j'aime bien, justement, c'est ce calme. Ah merde, il s'est éteint. J'ai des brindilles ou pas? De toute façon, j'ai mon. J'ai plus de bandage? Oh là là là. Oh là 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 là. Attendez. Attendez, monsieur. Commençons par mettre les bûches. T'as goûté l'eau d'une noix de coco? C'est trop salé, j'aime pas. C'est salé l'eau de coco? T'es sûr que c'était de la coco? Ça me paraît bizarre, mais après moi j'ai jamais testé, pour être honnête. J'en ai bouffé de la crème de coco, machin, etc. Mais alors, du lait de coco? Pas de l'eau de coco? T'as dit du lait ou de l'eau? L'eau. Je sais pas du tout ce que ça donne. C'est 6 heures une bûche? Et des fois, il y a des trucs que j'oublie et ça me revient en pleine face et je me dis non, c'est bizarre. J'étais persuadé que c'était 3 heures. Salut Sarx! Comment tu vas? Il s'est passé quoi hier? Eh bien, on s'installe dans le quartier, j'ai envie de te dire. On s'installe dans le petit quartier et on loot comme des oufs. Et les gros points positifs d'hier sont la découverte, la trouvaille de la lampe torche. Même si on est dans le noir actuellement, j'ai une lampe. Si! Enfin, nous avons la scie et la masse. Alors la masse, je l'attendais pas, mais elle est venue. Donc on est bien. Tac, tac, tac. Mais non, mais je peux pas les manger, je suis un ouf, moi j'ai pas lu encore le magazine justement. Et la base militaire, c'est-à-dire c'est la base militaire qu'on avait vue au bout du pont. On n'y est pas retourné, hein. Là on est parti très loin hein, quand même. Hein. 1 heure de marche, hein. Voire plus. En vrai, je pense qu'on est à 1h20 de marche de l'endroit où on était. Et je parle de 1h20 pour nous, pas pour le jeu. On est loin quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Il te remplace complètement la map. Après, c'est tu as toutes les rediffusions sur YouTube. Hein. Sous format bah, d'épisode. Donc, rien n'est perdu. T'inquiète pas. Allumer un feu. Ok. Tac tac tac, ça je le passe là. Les branches, je vais les poser au sol. Et on va lire les magazines. Ah
Bah, c'est déjà le cas, hein. Tu peux vivre primitivement sur PZ sur la B41, mais oui, il y aura beaucoup plus d'éléments. En fait, c'est une LED rouge. C'est la cheminée! T'inquiète. Ça met une ambiance dans le sauna. Allez, on se lit les trois magazines les plus importants du jeu. Même si le magazine pour agriculteur en général, il me sert pas à grand chose, puisque je ne fais jamais de culture. Mais bon, ça serait l'occasion sur cette aventure-là de faire un petit peu tout. Culture, du piégeage, plein de choses. Oui, on est d'accord, oui. Il faut quand même une base de d'objets modernes. Genre la scie. Pour ne citer qu'elle. Tu dis ça, mais ça se trouve, demain t'es mort. Sarx, me porte pas la guigne comme ça. Du coup, les baies, est-ce qu'elles sont comestibles? Il n'y a plus écrit baie inconnue, donc oui, c'est bien comestible. Je mange. Ah, t'as goûté la noix de coco? Ça a pas de goût? Ça dépend, moi j'aime bien. Hein. C'est pas ouf, mais c'est cool. Des groseilles. On enchaîne avec le concombre en boîte. Et ensuite les petits pois en boîte. Enfin, avec un petit coup d'eau aussi, ça serait bien. Alors les concombres, c'est quoi? C'est du moins 25, hein. Carré. G! Let's go! Comment ça va, G? Ça fait trop longtemps! Comment tu vas depuis le temps? Incroyable! Oula, j'aime pas trop, hein. J'aime pas du tout même. Merci pour le follow. Je sais pas si les aides sont attirées par le bruit du feu. Enfin, le bruit du poêle. C'est gentil, G. Comment tu vas depuis tout ce temps? Je vais dormir comme ça, direct. Non, bah à la base, c'est YouTube, hein. Les lives. À la base. Donc, en soi, tu te trompes pas totalement. Mais c'est vrai que maintenant. Bah on est sur les deux plateformes et c'est plus simple. Ah d'accord, en fait vous avez fait au-delà de tout ce qui est lié à votre activité, vous avez fait en plus votre lieu de vie. Purée, ouais, c'est un chantier pas possible. Bien joué, hein? Bien joué, bien joué. Pourquoi cette exception? Ouais, je continue sur les deux, ouais. En fait, c'est plus simple. En fait, j'avais déjà testé hein, par le passé. Et ce qui m'avait gonflé, c'était le fait que c'était assez spécial à gérer au niveau du chat, notamment. Et au final, ça va. Faut juste trouver le bon setup au niveau de l'écran et c'est lisible. Après, le jour où il y a 30 personnes sur YouTube et 30 personnes sur Twitch en même temps, ça va être compliqué. Ça, c'est vrai. Oh, ça tape chez moi, ça. Oh, ça va castagner là. Oh là là, ça commence bien. Ah ouais.
Placo, électricité, plomberie. Ah ouais, vous avez tout fait. Vous avez fait ça à tous les deux ou vous avez eu de l'aide de la famille, j'imagine, peut-être? Bah moi, écoute, ça avance, tranquille. Hors live, je suis parti en vacances en Suède avec ma chérie. C'était vachement cool. Et puis sinon, la vie suit son cours, j'ai envie de te dire. Rien de ouf, mais ça suit son cours. J'ai pas compris, Verkop. Qu'est-ce que tu racontes? Verkop, t'as dérapé là, qu'est-ce qui se passe? What are you talking about, Verkop? Je jette mes poubelles sur les zombies. Ouais, c'était vraiment cool. On est parti vraiment dans le nord de la Suède. Au niveau du. Si je dis pas de conneries, au niveau du cercle arctique. Cercle polaire. Et c'était cool. C'était bien cool. On était avec un Sami. G. Le peuple autochtone. Et c'était très intéressant. Non, non, on était juste tous les deux. Non, avec le petit, c'est compliqué quand même. C'est compliqué avec le petit. Toi, tu rêverais de visiter le Japon? Bah, ouais, pareil, hein. Ça serait cool le Japon, ouais. Dépasse Squeezie. Dépasse Squeezie. Oh, je suis pas sûr que tu puisses dépasser Squeezie avec PZ. Il faudrait que j'aille sur GTA 5 ou je ne sais quel. Enfin, les jeux qui ont la hype de ouf. Salut Baba! Comment ça va? T'as un oncle qui vit au Japon? Ah, ok. Non, j'en ai pas vu, c'est. Malheureusement, c'est assez compliqué à voir. Enfin, compliqué. Non, justement, c'est l'inverse. En fait, c'est quelque chose de très courant là-bas. Mais pour les touristes, c'est compliqué dans le sens où, un touriste en général, il reste par rapport au prix, par rapport à la vie, par rapport au contexte. En général, tu restes une semaine. Et sur une semaine, il peut très bien ne pas y en avoir pendant une semaine. Donc, beaucoup de personnes qui vont là-bas loupent le coche et disent, mais on n'en a pas vu et tout. Faudrait rester plus longtemps. Pour être sûr. Mais tu peux très bien y aller un jour dans ta vie et tomber sur le ciel ultra clair et tu te tapes un spectacle de malade. Bah on a fait de la rando, du chien de traîneau, on a fait de la baignade aussi dans les lacs gelés. On a fait des raquettes, on avait nos propres raquettes qu'on avait embarquées. Donc on était pas mal équipés, c'était cool hein. Mais tu vois, ce qui était le plus chiant, c'était tous les déplacements intra-France. Avec la SNCF. Oh là là, les galères qu'on a eues. Les trains annulés, etc. Machin. Et dis-toi, la Suède, le train, on l'avait réservé un mois à l'avance. Y a pas de souci. Salut Squat, comment tu vas? Après le train, on est resté 15 heures à l'intérieur pour traverser la Suède. Ils sont beaucoup là. C'est quoi cette carabistouille là? Oh, je suis en train de faire un tas. Le tas de Z. H primaire. Bah, ça va très bien, Squat. Très très bien. On est champion sur les trains, purée. Et aussi la traversée de Paris, c'était sympa. Quand tu compares la traversée de Paris à la traversée de Stockholm, tu te dis, ah ouais. Sympa. Sympa l'ambiance.
Aïe aïe aïe. Tac tac tac, y a pas de petits trucs sympas là? Non. Non, en vrai, ça va. C'est pas douloureux, mais c'est un délire en fait. Tu parles du Japon, Vercop, j'imagine. Après, tu sais, le métier de mangaka, c'est une galère, hein. Oh, des gants en cuir, cool. Je garde quand même ceux-là, hein. Les petits gants polaires, ils sont jolis en vert. Ouais, c'est galère. Et puis, bah t'imagines... 15 heures de train. Oh là là. L'enfer. Non. J'ai jamais pensé à faire la traversée de la Manche à la nage. D'ailleurs, c'est même pas une question d'y penser ou de ne pas y penser. Je ne peux pas faire la traversée de la Manche à la nage. Je n'ai pas les compétences physiques pour faire ça. Je commence à être essoufflé, faut que je fasse attention quand même. Ouais, j'imagine, c'est. Ouais. Plus jamais j'y vais. T'y allais à quelle occasion j'ai. T'as fait le salon de l'agriculture ou quoi? D'ailleurs. Après, tu m'as dit que t'étais plutôt dans les vergers, hein, il me semble. Paris, c'est une ville démoniaque. Eh, on allait au. Franchement, par contre, le jardin du Luxembourg, c'est. Attends, est-ce que c'est le jardin du Luxembourg? L'endroit où il y a la petite fontaine avec les enfants et les bateaux. Ça, c'est cool, hein, j'aime bien l'ambiance. Mais eh, vas-y, on est à la gare du Nord, la traversée là. Ah ouais. Relou. Très chiant. Non, surtout pas. Mais même s'il y avait de l'ambiance. Tu devrais faire une tier list armes PZ. En vrai, toutes les armes sont bien sur PZ. Enfin, non, certaines sont très nulles, mais... Tu vois, regarde un tuyau en métal quand t'as un bon niveau en contendante courte et en entretien. Franchement, tu te fais plaisir avec, hein. Y a beaucoup de Z ici. Je sais pas d'où, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un point d'intérêt à proximité là. Ah bah pas que les transports en commun, hein. Les rues. C'est une dinguerie. On arrivait à Bercy en bus. Je connais un petit peu Bercy par rapport au parcours. C'est des endroits que je connais. Je suis déjà allé, il n'y a pas de souci, tu vois, j'arrive à me repérer. Je te jure, on a marché pendant 5 minutes. Il était 6 heures du mat. On marche pendant 5 minutes. Et qu'est-ce qui se passe? Je te jure, on voit des rats en train de se battre au milieu de la rue et de faire des roulades et tout. On s'est dit, ah ouais! La légende des rats dans Paris, c'est. Bah, c'en est pas une, hein. Incroyable. L'accueil. Et je crois que c'était en face, littéralement. Je crois que ça s'appelle le ministère des Finances, un truc comme ça. Il faudrait que vérifier sur Google Maps. À côté de Bercy, il y a un bâtiment étatique. Un bâtiment lié à un ministère. Et c'était juste en face. Ouf.
Les rats de Marseille, c'est des rats gondins. Après, à Toulouse aussi, on a des rats sur les abords de la Garonne. Hein. Des costauds en plus. Hein. Oh, attention, je suis très essoufflé là. Ça peut très mal tourner. Ok, il est passé par là-bas. On se pose un petit peu. Les rats de Marseille. Là, c'était quelque chose. Sur le terrain, on a plein de ragondins. On va être obligé de mettre des clôtures électriques. C'est gros en plus, les ragondins. Ouais, de toute façon, tu peux pas les laisser. Ils vont tout te bouffer. Vous avez pas trop de sangliers et tout? D'ailleurs. De mémoire, c'était l'Ariège, hein, c'est ça? Il y a même des chasseurs qui viennent sur le terrain pour les shooter. C'est quelque chose, l'Ariège, hein. Si c'est vraiment l'Ariège, c'est quelque chose. Il y a la fameuse vidéo, hein. T'as des ratons pognon et t'aimerais prendre un zamanier. C'est 100 ratons pognon, un zamanier, c'est pas cher. Après, si tu peux pas le faire, c'est qu'il y a un cooldown. Pour pas qu'il soit spammé. Ça doit être écrit dessus, je pense. Bah ouais, c'est cool la rage. Ouais. Franchement, rien de ouf, c'est vraiment de l'arnaque. Je suis déçu. Plein d'illuminés. À fond. Bah tu sais, moi je suis pas loin de. Je suis pas loin de Bugarrache. Tu connais Bugarrache ou pas? Ah, je peux te dire que j'en ai moi aussi, hein. Des zinzins. Et bonjour Sourine. Le berceau du Christ cosmique, mais c'est pas une blague, hein. Moi j'y suis allé à Bu Ouh. J'y suis allé à Bugarrache. On est allé monter sur la. Bon, on est allé faire de la rando à la montagne noire. C'est la montagne du coin. Et d'ailleurs, c'est là-bas que certains disent qu'il y a une base extraterrestre dessous. Ou que c'est un vaisseau de la Vierge Marie, je sais plus quoi. Je sais plus quelles sont les. Les allégations de la montagne noire. Mais franchement, c'est particulier, hein. Tu sens il y a une ambiance, hein, quand t'arrives là-bas. Il y a des gens qui tiennent des stands avec des petits objets chelous et tout. C'est un délire, hein. Dis-toi quand. Regarde, quand on arrivait. Au sommet de, bah, du coup, de la montagne noire. Il y avait un mec torse nu. Je te jure. Il y avait un mec torse nu en jean qui était assis comme ça. Qui était comme ça, genre. Et quand il nous a vus, parce que du coup, on s'est retrouvés au sommet, donc on monte, on regarde, il nous regarde, il s'est levé en mode genre. Tu sais, genre, il regarde l'horizon. Mais genre, vraiment, il était vraiment dans un état second, tu vois. C'était particulier. Je sais pas, tu sais qu'il était parti en Afrique, Sourine. Il était parti en Afrique, au Sénégal, je crois. Et il essayait de. Il demandait de l'argent aux gens pour lui payer, je sais plus quoi, j'avais vu des vidéos. L'endroit pour la fin du monde, tu es bien placé. Oh, je suis bien placé, j'ai. Et salut, Liefkill! Comment ça va? Bah, la survie se passe très bien. Et on les a vus, les fameux. Comment ça s'appelle? Krouchka, machin truc là. Les immeubles que tu me disais.
On en a vu. Les HLM version... version URSS. C'était beau ça, chacun sa tatane. Par contre, ils sont vraiment beaucoup, hein. Comment tu vas, Sourine, d'ailleurs? Et salut, mini-beu. Comment ça va? Oh là là, c'est chiant, cet endroit, là. C'est relou. Je pourrais venir travailler au champ. Let's go. On va les bronzer. On va les bronzer pendant l'été. Mais oui, de toute façon, je suis pas loin de l'Ariège, hein, vraiment. J'ai un ami qui vit à Santenac. C'est à côté, hein. Ça va très bien, Sourine. Ça marche, Isliat. Ça marche, ça marche. D'ailleurs, faudra que tu me donnes un diminutif pour ton pseudo, ça sera plus simple. Et bon courage. C'est long, c'est très long à guérir. Mais t'as juste à te mettre dans un endroit safe et à passer les jours, hein. Tu te mets dans la nature, là. Tu te mets tranquille dans la nature. Pêche, recherche. C'était plein en plein hiver et voilà, tu te guéris. Tu te guéris à l'ancienne, quoi. Merde, il y a une alarme. J'ai la flemme de l'enlever. Tac, tac, tac. Allez. Santana, quoi. Les Krouchevtchka. Ça s'est passé à l'intérieur. C'est très exigu. Oui, c'est très exigu. Et c'est ultra flippant. Dans le contexte de PZ. Surtout qu'il y avait énormément de Z à l'intérieur. Mais vraiment. C'est fou. Mon prénom se dit Zitiax. Attends. Zitiax. Ok, Zitiax. Avec l'OTAN, ça va rentrer. C'est dingue, ils sont vraiment beaucoup ici, hein. C'est scandaleux même. Passe une très bonne journée, merci. Et toi, bah bon courage. Et salut à Karit. Comment ça va? Changement de tuyau. Ça marche, G. Bah merci d'être passé, G, ça fait plaisir. Et bah, au plaisir d'avoir du coup de prochaines nouvelles sur les avancées. Je vous souhaite du courage en tout cas. Je vous souhaite du courage. Et un de ces quatre en Ardèche, hein. Peut-être. En Ardèche, en Ariège. J'ai confondu. Ça va très bien, Karit. Très très bien. On avance, petit à petit. On commence à prendre nos marques, alors non pas sur la carte, mais au moins dans le village. Ah la hachette, j'ai fait l'oublier. Et très bizarrement... À ce niveau-là, du village, beaucoup, beaucoup de zombies. Et je n'ai pas encore d'explication. Pourquoi ils sont autant ici? C'est bizarre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir se méfier parce que... It's very dangerous.
T'as essayé le 6 mois plus tard, mais c'est vraiment dur. L'astuce. Ouais, Romain. C'est un truc. Oh, un nouveau grand sac. Je vais le prendre pour stocker des trucs. Ouais, Romain, en gros. Tu te mets sur les périphéries de ville. Tu prends la ville que tu connais le mieux. Après, c'est possible sur les 4, hein, les 4 points de départ. Et tu progresses au fur et à mesure, tranquille. En fait, dans tous les cas, tu vas avoir l'hélicoptère. Faut au moins que tu passes l'hélicoptère tranquille. Je te conseille. Loin des tracas, loin des villes. Si t'as pas touché au loot et que t'es en rare, ça devrait le faire. Après, quand tu diminues le loot, par contre, là, faut gérer différemment. Là, t'es obligé d'aller chercher une partie d'équipement en ville. Notamment la nourriture. La nourriture, de l'eau, etc., etc. Ça a l'air pas mal ici, c'est un giga bunker, on dirait. Enfin, un bunker. Un giga camp. Ça, c'est parce qu'on parlait des bunkers tout à l'heure. Il y a un Z qui râle, mais je le vois pas. Ça a l'air sympa ici, hein. Ah ouais, d'accord. Je vois, je vois. J'ai l'impression qu'on va trouver beaucoup de choses aujourd'hui. Enfin non, plutôt demain puisqu'il est 17h. Ah, ça a l'air pas mal cet endroit aussi là. Dommage l'ouverture. Dommage hein. Il se ferme ou il est pété lui? Ah, il est pété. Je vais pas rentrer là-bas. Pas aujourd'hui en tout cas. Ouais, il y a encore plein de choses. J'essaie de faire la petite maison qui est ici. De toute façon, j'ai la lampe. Si jamais c'est la merde, je peux m'éclairer. Et là, on a encore du Z. Ok, pas mal, hein. J'ai même l'impression qu'il y en a dans la maison. On va aller sortir de là. Il y a encore un puits, hein, décidément. Tu as des puits absolument partout dans ce village. Le sac à dos est vide. Oh, couteau de chasse, je l'avais pas vu. Une petite montre digitale. Tac, tac, tac. Ok. Et salut Laurent, comment tu vas? Comment est-ce que ça va, monsieur Laurent? La forme ou quoi? Ouais, on peut le dire, dans cette zone du village, il y a beaucoup plus de Z. Il y a vraiment une grosse différence, hein. C'est quoi ça là-bas, des pneus? Ok, ok. Elle a l'air dangereuse la maison, je la sens pas. Quoique. Faut looter rapidement, quoi. Un coup près, c'est cool. Des cornichons. Classique. Encore un magazine pour le groupe électrogène. Je vais le prendre, hein, ça nous fera du combustible. Démarrer un feu avec un guide pour le groupe électrogène, c'est stylé quand même. Ah, tu joues à Helldivers 2. Ce fameux jeu avec les insectes. Bon, il a l'air bien ce jeu.
Attends, est-ce que je peux prendre la baignoire par contre? Ça me... Large budgetary. Ok, je peux la prendre. Elle fait 10 kilos. Merde. Eh, ça rentre presque en vrai. Je vais la mettre chez moi. Tu vas me faire crier. C'est pas gentil ça. C'est ça que t'appelles du respect, mon garçon? C'est ça que t'appelles du respect? Hein? Ah, mais t'es encore avec. Oh là là. T'inquiète, t'inquiète. Tu sais, je peux. J'ai pas le temps de tout faire, moi. Je suis pris, hein, par la vie, par le temps. J'ai d'autres priorités que ce jeu. DZ, Kenshi, plein de trucs. Starship Trooper. Ouais, c'est ça, Laurent. De ce que j'ai compris, le jeu de ta vie, le jeu de ta semaine, ouais. Autant dans un mois, tu m'en parles plus, hein. On fera le test dans un mois. Légèrement fatigué. Ouais, attention quand même. On verra. On verra, on verra. Et on verra aussi s'il y a du monde qui a défoncé mon mur. Mais pas du tout. Excellent. Et je vais pouvoir installer ma large budgetry baf. Je vais la mettre là. Bah écoute, Vercop. Si le jeu il te plaît autant, fais des vidéos dessus. Présente-le au monde entier, hein. Deviens un expert de Cataclysm Dark Days Ahead. Est-ce stylé ma petite baignoire là? Ça sert absolument à rien, mais j'en ai fait un, 5 vues. Ah, mais après c'est difficile quand tu débutes. Il faut que tu présentes le truc en mode... je sais pas moi. L'ancêtre, tu dis « Oh, je vais vous présenter la source d'inspiration de Project Zomboid. Tu peux vendre le truc comme ça. » Parce que de base, les gens ils connaissent pas, c'est normal. Faut faire de la pub. Tu peux vendre le truc en mode en mode bah voilà un jeu beaucoup plus compliqué beaucoup plus complexe que PZ. À plein de manières en fait. De toute façon, je viens de me faire les trois premiers Uncharted en bundle. Jamais joué moi Uncharted. Jamais. Je sais même pas de quoi ça parle. Ça me fait penser à... Quand je voyais les jaquettes du jeu, ça me faisait penser à Far Cry. D'ailleurs, c'est quoi? C'est Ubisoft qui fait aussi, non? Oui, voilà. Non, mais voilà. Vercop, justement. PZ, c'est un peu ce qui caractérise... C'est un peu ce qui caractérise le jeu. La difficulté. Bon, bah là, il y a un jeu encore plus difficile. T'as capté? Tu peux présenter ça comme ça. Mais si tu fais juste une vidéo en mode je vous présente juste le jeu comme ça et qu'il n'y a que des connaisseurs qui viennent voir la vidéo, c'est sûr que ça va être compliqué.
Parce que le jeu est méconnu. Il faut un élément de comparaison. Après le montage, quoi dire pour faire monter dans sa miniature? Bah après, Vercors, faut faire des vidéos. Faut que t'en fasses plein. Où tu te trouves ta petite patte. Et voilà. Pour bien réussir tes parties, je te conseille des écouteurs. Ah. Pour éviter d'appuyer sur le clavier. Mais je suis sûr que même avec un écouteur, je serais capable de le faire. J'en suis sûr et certain. J'y arriverai quand même, hein. Non, Naughty Dog, ce qu'on fait. Ah, The Last of Us. Ok. C'est action, plateforme, aventure, mais ça a fait. Ça a mal vieilli. PZ a du mal à percer. Je suis pas trop d'accord, Laurent. Moi, je trouve que PZ, justement. A eu quand même une jolie exposition à la sortie de la B41. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il en aura une encore plus grande sur la B42. Donc franchement, si des gens veulent faire des vidéos sur PZ, faites-le maintenant. Ne faites pas à la sortie de la B42, parce qu'à la sortie de la B42, il y aura plein de vidéos. Vous serez noyés dans les vidéos PZ. Et bonjour le requin de feu, comment tu vas? La forme ou quoi? J'ai bien mangé. Je l'ai foutu où le recherche V2 là? Ça serait bien que je commence à trier. Il est là. Recherche V2. On va se lire ça ce soir. Devant le feu. Tu reprends le 28 mars, c'est dans longtemps, Verkov. En vrai de vrai. Je l'ai éteint tout à l'heure. Ouais, je l'ai éteint. Du coup. Eh, mes allumettes, elles vont pas durer éternellement. Je vais me crafter un système. Un système de friction. Pas de feu par friction. Je vais prendre la planche qui est là, là. Hop. Il me faut un couteau. Pas de chasse. Même une pierre affûtée. Mais je crois que j'en ai plus. En fait, il faudrait que je me fasse une session recherche basique. Peut-être après-demain. Une bonne session de recherche là pour se prendre plein de matériaux. Des branches. Plein de pierres affûtées, ça serait cool. Du coup, couteau de cuisine. Et après, il me faudra. Eh bien, des branches. Et des branches, j'en ai justement. Non loin d'ici. Et j'ai surtout une scie qui peut me faire des bâtons solides. On va se la jouer comme ça. Avec une planche, tu fais 8 bâtons solides, il me semble. Ce qui est énorme. C'est ça, 8 bâtons solides. Pour démarrer un feu. Ça en fait des opportunités. Ensuite, tu fabriques. Non, tu perces la planche. Voilà. Planche percée, 8 bâtons solides. Et là, c'est carré, je peux lancer un feu sans souci. Et salut Kalaes! Kalait! Kalait! Comment tu vas? Une série multi de prévues, Baba? Honnêtement, non. Bah après, t'as cliqué, je sais pas, mais en tout cas, ouais, il faut que ça. Vu que tu présentes un jeu qui a pas de. Qui est pas connu, bah il faut que les gens ils puissent s'intéresser au truc. Donc il faut. Voilà, soit tu mets un élément de comparaison par rapport à des jeux plus connus. Ou soit tu pars sur un truc du genre.
L'un des jeux les plus compliqués qui existent. Voilà, tu vois, tu vas dans des superlatifs, tu mets quelque chose de. Voilà, faut que le truc, tu le vendes bien, quoi. En voiture, comme d'hab. Attention sur la route, hein. Moi, ça va très bien. Un mode Métro 2033 pour PSVR. Tu sais que j'ai jamais joué à Métro 2033. Jamais, jamais. Allumer un feu, planche percée. On va faire ça à partir de maintenant. Comme ça, on économise nos précieuses allumettes, hein. En plus, on tape un one shot, parfait. Du coup, les bâtons solides, ils vont rester là. Et la planche percée aussi. Voilà. On va manger les betteraves, le caviar de betterave même. Et ensuite, on va se lire la recherche V2. Juste là. À côté du feu. Tranquillement, on est bien. Ça peut marcher, Verkopf. Après, ça fait long, le jeu de survie le plus complexe de tous les temps, je trouve. Peut-être essayer aussi le format short, Verkop. Peut-être aussi essayer le format short. Tu demandes conseil au cabinet McKinsey. C'est très cher, hein. McKinsey, hein. Franchement, fonce la trilogie. Bah, j'ai pas trop le temps, Liefki, là, malheureusement. Y a plein de jeux que j'aimerais bien faire. Soit découvrir, ou soit vous faire découvrir. Bien que je n'ai pas la prétention de vous faire découvrir un Kenshi, par exemple, mais proposer du contenu sur Kenshi, j'aimerais bien. Bah, c'était une idée, les titres longs. Je pense que l'idée, genre, ce jeu est très complexe en mode putain. Non mais j'ai compris Verkop. Mais voilà, faut adapter la phrase quoi. Je mets une petite accélérée. Hein. Putain, j'ai plus l'heure parce qu'il y a un contact Steam qui est en train de jouer, je vois plus. 2 heures. Hop. Voilà. Après, la miniature, c'est quand même le point clé. Oui. La miniature et après la recommandation YouTube qui fait la différence. Et salut Jojo, à fond pour du Kenshi. Et ouais, bah Kenshi, hein, ça serait cool. J'aimerais bien aussi. Là, c'est plutôt personnel d'un point de vue. Vraiment, moi qui a trop envie de jouer au jeu, c'est le Zelda. J'ai envie de le faire en fait. J'ai envie de le faire. Il faut que je trouve le temps. De caler des créneaux pour jouer à Zelda. Il faut que je joue à Zelda. Absolument. Je dois faire ce jeu. Et le. Je dois voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Après, Verkop, faut en faire. Voilà, faut s'exercer, Verkop. Faut que tu t'exerces. Comment tu vas, Jojo? La recherche, par contre, je devrais la laisser à l'intérieur. Ah mais j'ai une étagère juste là. Attends, c'est parfait. Pour mettre tout ça là. Après le jeu il est cher hein, Verkop aussi. Hein. T'es sérieux quoi? J'ai 0,6 en trop. Ok, il y a une branche qui va partir de là. Bah même deux en vrai. Je vais les utiliser pour autre chose. Au moins ça va très bien, Jojo. Bon, je vais mettre ça là. Après, t'as plein de tutos Verkop hein, sur YouTube. Hein. T'as plein de tutos quand même. Hein. T'en as un paquet. Hein. Moi, si tu veux, je peux te donner le site que j'utilise pour faire toutes les miniatures. J'utilise Pixelr. Mais je crois que tu me l'avais déjà demandé. Je sais plus si c'était toi ou Nukuls. Moi, j'utilise Pixelr.
Et c'est très bien. Genre, attends, je vais te l'écrire. Je vais te l'écrire. Tac. Toc, toc, toc. Comme ça. Et vraiment, c'est chouette, hein. C'est très facile. Après, voilà, il faut bien connaître le format de la miniature. C'est du 1280 sur 720. Et après, tu builds ton truc, hein. Faut que ça soit propre, lisible. Que ça déborde pas. Et après, c'est carré. Du coup, on fait juste un point carte avant de partir. Et 18e jour de survie, quand même, hein. Un petit point carte. Ok, ça on peut dire que c'est fait. Ouais. Ça c'est carrément fait même. J'ai envie de faire cette zone là. Voilà, ce qui serait bien c'est qu'on reparte par ici, qu'on fasse celui-là. On longe celui-là et ouais, tout ce qu'il y a sur là, tout ça même. Et derrière le 99.6, attendez, je vais le supprimer. Je retiens 99.6, 99.6, 99.6. Ajouter une annotation. C'est la fréquence de radio. Ouais, je vais mettre là. Derrière la maison. Il y a encore pas mal de maisons. Ok. Ouais. Il y a encore du boulot quand même, hein. En fait, il est. T'as 3 utilisations gratuites par jour. Et c'est payant pour avoir une petite licence là. C'est un truc genre 1 € par mois, quoi. Un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Je me rappelle même plus. Tellement je me rends pas compte quand je le paye. C'est pas grand chose, quoi. Avant, c'était gratuit. Mais c'est souvent ça avec ce genre de logiciel. Dès qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs, après, ils essayent de... Bah, tu regardes vers Coop après, t'as pas besoin de moi. Mais moi, je peux te dire que c'est... gratuit pour 3 utilisations et après c'est payant pour une utilisation libre. 3 utilisations, ça veut dire enregistrer, sortir 3 fichiers images. Donc, à moins de faire 3 miniatures par jour, t'as pas besoin de prendre le truc complet. Si tu fais que des miniatures. Moi, j'ai pris un abonnement. Parce que je ne fais pas que des miniatures avec. Prendre Gimp. Après, je connais pas, ouais. Après, si vous avez d'autres logiciels à conseiller à Vercop, n'hésitez pas. Du coup, voilà, on va remonter par ici. Ou du coup, faire directement le quartier. Ouais, je suis plus chaud pour faire le quartier. On va tout en bas et on remonte. Déjà, il y a un garage, c'est génial. Je l'avais pas vu celui-là. Ok, la rue se termine par ce garage. Très bien. Nice. J'aime bien quand c'est propre comme ça. Oh! Je l'avais pas vu lui. Ah, celui-là, il est solide. Ça se calme. Ouais, moi je connais pas Gimp, hein.
Après, oui, dans tous les cas, il y a 40 000 tutos pour chaque truc maintenant. Les connaissances, elles s'acquièrent super vite maintenant. Pour faire au moins un truc de qualité. Ah, elle est vide l'étagère, je suis deg. Vide, vide, vide. Encore un garage là-bas. On n'a pas gros d'autres aides pour l'instant, mais je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Ouais. Faut se méfier. Hé, ça marche, left kill. Changement de plateforme. C'est encore un sauna? Ouais, c'est un sauna. Métallurgie V1 et livre. Cool, 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 cool. Oh, il est plus stylé que le mien, le sauna! Pince à épiler, c'est cool, ça. Je peux pas le prendre, leur truc, là? Non, je peux pas le prendre. Oh là là, il est trop stylé. Attends, je peux pas. Je peux rien faire avec. On peut pas l'utiliser le. Ah, on peut pas l'utiliser, ok, bon, ça va. Bizarre. Je pensais qu'on pourrait faire des feux dedans. Trois serres. Rien à l'intérieur. Ça, j'aime pas. Hein. C'est vachement dangereux, on voit rien dedans. Niveau 4. Il y en a un autre. je l'ai senti arriver. Ouh, il est stuff. Ok. Bon, on a clean cette zone. Veste en cuir des ratons sauvages en parfait état. Mais non. La plus belle veste du jeu. À mes yeux. Let's go. Bah souris, il y en a qui fonctionnent, tu vas voir, je vais te montrer. Sûrement à l'intérieur là. Et salut Krating, comment ça va? J'ai l'impression que j'ai loupé plein de messages là. Salut Alfred. Oh, il y a un plateau de jeux de rôle là, non? Il y a des cartes et tout. Il y a une guitare accrochée. Ah ouais, trop stylé. Si je peux la récupérer, c'est trop cool. Elle est jolie cette maison. Ah ouais.
Guitare électrique, je peux la prendre? Attends. Est-ce que je peux la remettre? Placer? Je peux pas la remettre! T'as l'arnaque! Placer? Ok, bon. Du coup, je peux pas décorer ma maison avec. Tant pis. Il faut s'installer ici en fait, si tu veux avoir ta guitare. Oui, Liefkill, mais c'est exactement ce que je disais la dernière fois, c'est que sur la carte de Project Russia, t'as pas l'impression d'être sur un mode, en fait. T'as des cartes modées qui, vraiment, tu... Les bâtiments, ils sont grossiers, c'est... Voilà, y a plein de trucs que tu connais déjà, tu vois, qui ont juste été mis là. Là, c'est vraiment tout un univers. Oh, la bouteille de bourbon. J'aime bien, hein. Normalement, je peux pas la récupérer, ça. Dungeons and Dragons Game. Oh. Trop cool. Ah, ok. Donc ça a été codé. Trop bien. Le boulot à moitié. En vrai, c'était stylé. Mais c'est dommage, ouais, qu'on puisse pas le remettre. La cuisine, je la sens bien. Le piment jalapeño. La tasse. Et y a rien à bouffer, merci. Ah si. Spaghetti, couteau de cuisine. Et là, et là, et là, on a un jeu d'échecs. J'ai l'impression. Chessboard. Cool. Il avait écrit fake plante aussi. Bon, on ramasse des trucs qui servent absolument à rien, mais ça fait plaisir. Ça me met de bonne humeur, je suis content. Par contre, j'ai faim. Donc je vais ouvrir cette conserve de spaghettis et me régaler. Je sais pas. Je crois qu'il y a deux personnes, Liefkill. Je crois qu'il y a deux personnes. Sur le workshop, en tout cas. Qui sont propriétaires du mod. Y a deux profils Steam. Après, autant ils sont plus. Et je n'en ai la moindre idée. Casque audio. Ok, bah j'ai bien aimé cette maison, franchement, c'était cool. Il y avait un truc quoi, il s'est passé quelque chose. Il y avait une ambiance. Et chez les voix. Oula. Oula. Oh là là là. Oh le brigand. T'en penses quoi toi? T'en crêtes du mode qui rajoute des ragdolls? C'est sympa en vrai, hein. Y a rien à l'intérieur. Oula. Oh le puits. De toute façon, il y a des puits partout sur cette carte. Enfin, sur cette ville en tout cas. J'aime pas cette config là. Si je me rate, je meurs quoi. Y a l'autre derrière qui me bouffe. Je prends en maturité sur PZ. J'étais tellement trahi par la hitbox que... Je ne fais plus confiance à tout ça. Nice. Ok. Ah franchement, Liefkill, tu vas kiffer, hein. En plus, toi, ça va te parler d'autant plus, hein. En plus, toi, tu vas pouvoir lire tu vas pouvoir lire les écriteaux des magasins et tout. Tu
tu vas t'y acclimater très vite. Ok. Un truc que je trouve dommage par contre, c'est le nombre de cultures qui sont encore viables. Alors que techniquement, personne s'en occupe depuis 6 mois, tu vois. T'as certains jardins, tu peux directement récolter des fraises, des choux. C'est trop. Pas sûr que mon cerveau reste pas bloqué en français avec une horde aux fesses. Bon après, tu peux faire pause. Franchement, le niveau 4 là, on le sent bien quand même, hein. Ça tombe beaucoup plus facilement. C'est très sympa. Salut Jack! Yo Jack! How are you my friend? C'est quoi ça? C'est qui ce gangster là? Une nouvelle AKS-74U. Qui est vide. Cette fois-ci. Ok. I'm fine, Jack. I'm fine. Today, it's a special day because I'm looting the village and it's very cool, man. I'm so happy. Look at the house. It's really good. Like the ambience, man. It's perfect. Oh! This is a vin blanc. French, vin blanc. I like the vin blanc. It's perfect. Look at the calories. Oh non. Non. Bouteille de bourbon. It's better, Jack. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bizarre ça. Cette penderie est assez spéciale. Oh, l'horloge, je la veux! C'est une horloge Illuminati. Ça marche, Vercop. T'inquiète pas, tu seras le premier mis au courant, t'inquiète pas. Bon, ça c'est fait. Oh! C'est flippant hein, quand on les voit pas derrière. Avec le modèle, hop. Bon, bah c'est cool. Une bonne journée encore, hein. Oh là là, c'est quoi ce château encore? J'ai envie d'aller checker le garage rapido. Le grid! Ok, je l'ai vu lui. Ah ouais, d'accord. Les problèmes arrivent instantanément. Le complot. Développons notre vivacité.
sont marrants eux là. Ils viennent d'une zone que j'ai déjà fait. Ouais, 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 pourquoi pas. Il y a un Z derrière. Il fait moins 26 degrés, bordel. J'avais pas fait attention, mais... Là, ça caille les miches à fond, quoi. Putain, j'ai peur de rentrer dans ce bourbier, là. Il est à l'extérieur ou à l'intérieur? Ah... Oh, le pied de biche! Merci bien, bonhomme. Non. Je l'ai pas vu. Il fait frais, ouais. Moins 26... Ça cogne un peu. Demain, je sais pas si on va... Si on va retourner dans le village. Je sais pas. Je pense qu'on va faire de la recherche demain. Ce sera très bien. Parce que là, franchement... Merde. Niveau arme, ça commence à être compliqué. J'aimerais bien me faire plein de marteaux en pierre, là. Ouais, mais moins 184, c'est avec... C'est avec le mode... machin truc Winter, là. Cryogénique Winter. Ah, c'est pas le mode hein, qui fait les moins... je sais pas combien là. C'est juste que j'ai réglé en très froid. Oh, la lampe, ça fait plaisir quand même. Hein. En vanilla, moins 184, c'est pas possible. Tu peux demander à Tancred. Il s'est joué de toi. Oh, j'ai la flemme. Possible que ce soit des Fahrenheit, ouais. Mais moins 184 sur PZ degrés, voilà quoi. Personne n'est dupe. Tancred, je viens de penser à un truc. Je viens de penser à un truc, t'étais là. Tu te rappelles la partie de 14 ans de survie avec le trésor? Ou pas? Est-ce que tu t'en rappelles? Je pense que oui, tu t'en rappelles. Ça, c'était pas mal, ça. Bon allez, je vais rentrer parce que là, bah, il fait moins 28, j'ai froid. Enfin non, j'ai pas froid, mais moi ça me donne froid. Et surtout qu'on est loin quand même là. On est loin de la baraque, donc rentrons. Ça te dit rien, Tancred? T'étais là, je me rappelle. Quelqu'un qui m'avait dit qu'il était à 14 ans de survie, ou 13, je sais plus. Mais un truc de ouf, tu vois. Mais il avait fait toutes ces années de survie avec le très sourd.
Et tu l'avais dit de faire des screens. Et que du coup, bah, c'était probablement le record du monde. T'avais trollé un petit peu. Salut William. Mais ils sont... Cette zone là, c'est garni, hein. Comment tu vas, William? C'est gentil, pour ton message est très gentil, William. Bah, j'espère que tu vas pouvoir te détendre. On va aller au sauna là, de toute façon, ça va être cool. On va lire dans le sauna. J'en sais rien, c'est... Je sais pas. On est sur internet, donc techniquement, on peut dire ce qu'on veut. Je peux vous dire que c'est moi qui a fait Project Russia en fait. C'est moi qui ai codé tout ça. En fait, en général, tu sais, t'as des signes qui mentent pas, tu vois. Le signe de la surenchère, tu sais. Quand tu dis quelque chose et que tu rajoutes un truc encore plus choquant derrière. C'est un mécanisme, quoi. En 14 ans, t'es là, tu fais « Oh, 14 ans !» Et après, tu dis « Avec le trait sourd. » Ah, t'es forcément... Tu choques ton interlocuteur. Sourine, la plus grande joueuse PZ du monde. Salut Lotus, je t'avais pas vu. En vrai, ça craint là au niveau de la stamina. Je vais devoir m'asseoir au milieu de la route. Jack, 64 ans avec le trait cul de Jack, mais c'est pas une compète, hein. Après, ce qu'il faut prendre en compte sur PZ, c'est que, en fait, n'importe qui peut faire le screen qu'il veut au final. Sachez qu'il est, possible de copier-coller les saves. Et que techniquement vous êtes invincible en fait. Hein. La seule chose qui aurait valeur de preuve, bah ça serait quelqu'un qui est tout fait en vidéo ou en stream. En stream même. Même pas en vidéo, en stream, en direct. Parce que même une vidéo, tu peux te reprendre plusieurs fois derrière. Ah, oh, je suis mort. Ah bah attends. Je vais dans les fichiers, je recopie-colle la save que j'avais avant. Et je recommence l'épisode, tu vois, tu peux... Le live, pour le coup, bah, c'est gage de réalité. Et encore, ah ouais, tu peux pré-enregistrer le live. Ah ouais, William, bah t'es pas tout seul, t'as aussi Liefkill. Liefkill aussi. Du coup, c'est retour à la maison, là. Oui, au montage. Non, mais après... par exemple, quand quelqu'un meurt, vous avez le recap à la fin, là. Avec écrit, survécu pendant tant de jours, tant de Z, etc. Et là, tu peux voir une cohérence. En fonction du nombre de Z et du temps de survie. Après, Baba, c'est possible, hein. Mais quand tu... mais en fait, quand tu vas quelque part pour annoncer un fait d'armes,
comme ça, surtout sur un stream ou... Tu sais, tu glisses ce truc-là, genre, ouais, 14 ans avec le très sourd, hein. Autant c'est vrai, hein. Mais bon. La démarche est un peu particulière, quoi. Salut Dodo! Comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Willy F. Kill, en fait, bah du coup, c'est sur... C'est sur YouTube. Attends, je reprends le chat. C'est sur YouTube. Il y a William qui me disait que, bah du coup, ça lui faisait plaisir de regarder le live parce qu'il avait des origines russes. Et je disais, eh, mais il y a quelqu'un d'autre aussi. Mais du coup, vu que t'as switché sur... Bah sur la plateforme Twitch, t'as pas vu son message. Du coup, je lui dis qu'il était pas tout seul. Quand un joueur de LoL découvre PZ. Par rapport au nombre d'heures. Oui, eh, c'est vrai, Tancred aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que si tu maudis... Oh, merci beaucoup pour ton prime. Oh. Et petite dédicace à mon ami Jeff Bezos. Ouais. Merci beaucoup Dodo, et dédicace à Jeff Bezos, hein, qu'on embrasse. Merci Jeff, pour le prime. Comment ça va Dodo, depuis le temps? Ah, attendez, je vais rentrer et me mettre au chaud, parce que... Ah, au chaud, c'est moins 9 degrés quand même. Je récupère mon pack. Mes bâtons solides. Ma planche percée. Et on est bon. Quand le perso meurt, je délaisse perso. Pareil, Baba. Pareil, pareil. Moi, ça fait 10 jours avec le trait surpoids. Ah, mais Lotus, c'est toi qui étais à 106 kilos, tu m'avais dit. T'en es à combien, du coup, là? Depuis que tu m'as dit ça. Est-ce que t'as réussi à redescendre au moins en dessous des 100? Ou il te faut encore un peu de temps? Quatorze ans, chaise roulante et aveugle. Ah, t'as que des one-shots, là. Moi, je me rappelle, sur mes premières parties PZ, quand je mourais, je remettais un personnage sur la game. Par rapport à la base, etc. Me dire, ah, bah c'est bon, je retourne à ma base, je reprends à zéro. Et en fait, au bout de... Ouais, quoi, 5-10 minutes. Bah en fait tu repenses à ta mort et tu te dis mais je suis mort en fait. Du coup tu recommences une game. Après des gens qui jouent beaucoup en multi par contre ils doivent avoir moins de mal à relancer une save. Enfin repartir sur un nouveau personnage. Mais en solo c'est... ça fait bizarre quoi de faire ça. T'as pas rejoué, t'as plus utilisé Première Pro qu'autre chose. Ça monte quoi en ce moment, Lotus? Qu'est-ce que tu nous fais comme montage? En multi, en vrai, tu t'en branles, tu relances un perso direct. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah oui, parce que tu as pas régénéré toute la carte. De toute façon, techniquement, à moins que le serveur t'appartienne. Je viens de sortir de patient de service brûlé après une semaine à changer les pansements. C'est 20 points! Waouh, Baba! Ah ouais, c'est un cadeau! Après, c'est compliqué, mais bon. Admettons que tu aies le loot abondant, enfin que tu aies du loot en rare classique en apo. Ça passe assez facilement, je pense, hein, les 20 jours. Hein. Après, si tu dois ramper, boiter, etc., c'est compliqué. Hein. Bon, bah, on a bientôt fini recherche V2. Et au niveau du feu, il me reste combien? 1 heure! Ah ouais! C'est pas ouf, ça. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Et le sac, on le videra demain, au réveil. Eh, je peux dormir à moins 10 degrés, hein, n'empêche, hein. Je suis bien équipé.
Un champ contre champ classique, donc rien de fou. Et ça fait combien de temps que t'es sur ton logiciel Lotus? J'ai fait un multi avec mon frangin, je me suis fait détruire, j'ai dû refaire peut-être 3 à 5 persos. Ça doit être sympa de jouer avec son frérot. Pourquoi j'ai mal comme ça, attendez. Ah, c'est douleur au cou. Par rapport à la chaise. Ok, tout va bien. Ouais, le multi, ouais. Il faut avoir le temps vu que le serveur tourne tout seul. Sauf si tu fais une partie hébergée. Il y a deux gosses, moi aussi. Zéro time. Compliqué. Ah, que là, c'est compliqué, ouais. Ouais, je peux mettre une partie dans l'un, une partie dans l'autre. C'est mieux de se mettre ce petit challenge en plus que de rajouter des points ensemble. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Baba. Ah oui. Alors là, par contre, t'as totalement raison. Oui, se rajouter des points en sandbox, là, pour le coup, ça sert à rien. Autant prendre le mode mortré qui te rajoute des trucs, des malus ou des bonus, peu importe. Et recomposer à partir de là que, oui, de se rajouter des points gratos. Oui. Wow. T'as raison. Merci beaucoup pour ton prime. Et Fab. Petite dédicace à mon ami Jeff Bezos. Incroyable! Le retour de Fab! Comment ça va? Fab qui est le premier sub de la chaîne. Le number one. Il me semble, hein? Si je dis pas de bêtises. Comment tu vas? Alors attendez. Parce que là, rien ne va plus. En fait, ça va. Il faut juste qu'on aille faire de la recherche. On va partir sur de la recherche à fond de fond. Quoi de neuf, mon copain? Le premier sur Twitch, mais pas YouTube. Qui est le premier sur YouTube? Azot. Bah, de toute façon, sur YouTube, c'est dans l'ordre. Il y a Azot. Après, il me semble qu'il y a... Soit c'est Calisso. Enfin, il y a Calisso, j'ai le détective. Ça se bataille entre les trois. Bricolage, pas le word, bricolage. Enfin, bricolage, c'est plutôt... Je me rappelle, tu fais des chalets, c'est ça, Fab? Dans ton... au niveau métier. T'es un menuisier, hein, vrai de vrai. Donc ça taffe quand même, hein. Le chalet, c'était pour un pote. C'était même pas ton... C'est même pas ton activité pro, Fab? Et là, tu commences à faire le tien, mais t'es trop chaud. C'est pas du bricolage, ça, de faire un chalet. C'est pas du bricolage. Le bricolage, c'est rafistoler une table. Faire un chalet, c'est un autre délire, quand même. C'est pour le plaisir, ok, bon bah... C'est un plaisir qui en jette, quoi. Parce qu'une fois que c'est fait, quand même, un chalet, c'est quelque chose. Ouais, en fait, Fab, il te fait... il build... il va chercher ses petites ressources, là. Et ça build. Je vais mettre là les planches. Je vais me faire une petite maison pour le plaisir. Il y a Jacques sur YouTube, il nous dit que il a construit un château de ses mains, mais c'est pas une compète, hein. Avec le tressour ou sans le tressour? Ouais, avec le tressour, attention, hein. J'ai fait 3 pâtés de sable. Ouh, nice. Bon, moi j'aimerais bien choper plein de branches.
des branches et des pierres affûtées. Sourpe du scud de jatte. Un concert devant 500 personnes avec le très sourd. Le très muet. Ah, let's go. Tu fais du montage en étant sourd. Premier degré ou pas, Lotus? T'as le très sourd pour de vrai ou... On se met bien là? Tu trolls? Bah je sais pas, c'est possible en vrai. Il y a des gens qui sont sourds hein, pour de vrai. Pas juste sur PZ. Et puis c'est pas déconnant, tu peux techniquement tu peux monter de l'image tout en étant sourd. Après ça va être compliqué pour faire un vrai montage, oui c'est sûr. Sauf si tu fais des films muets. Les acouphènes. Ça correspond à quoi d'avoir des acouphènes, déjà? C'est chronique ou c'est un truc qui se barre avec le temps? Merde, je me suis trompé de touche. Oh! Oh! Costaud. Compliqué pour regarder le live en étant sourd. Ça reste. Ah ouais. Ah oui, mais purée, on est en train d'aller vers la place, vers la bibliothèque là. C'est une mauvaise idée ce que je fais. Attendez. On va prendre les deux oiseaux là. En vrai, j'ai envie de me faire une petite bagarre là. Attendez. J'ai envie de me faire une petite bagarre. Oula. Non, non. Allez, je me casse. Un bruit récurrent dans les oreilles. C'est chiant ça. Mais genre ça fait de la... Ça procure de la douleur ou c'est juste... Enfin juste. Non, c'est pas le bon mot, mais... C'est vraiment un bruit constant. C'est des bruits parasites, genre le bip du jeu vidéo. Post-flashbang. Ah je vois, ouais. Oh, saleté, va. Après, c'est de ma faute. Je suis allé faire de la recherche dans un endroit que je ne contrôle pas du tout. C'est juste un bruit qui casse les... Ok, ok. Ça doit être chiant ça. Et il y a un truc que j'ai jamais eu et qui apparemment est horrible. C'est une otite. Qui n'a jamais eu d'otite dans le chat? Dites-le moi. Comme ça on essaye de faire une moyenne là. Parce que ça c'est chaud par contre, hein, apparemment. Enfin, c'est, je pense que c'est... Oui, c'est plus douloureux que les acouphènes. Et c'est un truc qui se soigne, mais ouais. Day one. Ah ouais, genre à la naissance. Comment ça, Lotus? Il me sort day one. Pour moi, il y a plusieurs raisons pour en avoir. Ah, les acouphènes. Yevkill. Ça fait bizarre, n'empêche, de repasser ici, là. On était tellement stressés la première fois qu'on est venu là. J'ai perdu de l'audition à cause d'une otite interne. Ouf. J'ai fait otite à répétition étant petit, ça m'a vraiment rendu à moitié sourd.
T'as encore des répercussions actuelles par rapport aux outils de répétition que t'as eu en étant enfant, c'est ça? Dawn? C'est une galère. Ok, Lotus. Pour une oreille, tu en as 200. Tu parles de quoi? Ah, tu parles des cils. Ok. Ça stream avec un public d'EHPAD. Ah ouais, la violence. Bah écoute, c'est une barre, ça. C'est un tuyau. Nice. Ici, on a souffert avec la vie. J'ai entendu un Z là, non? Bizarre. Ça marche, Tancred. Passe une très très bonne journée. Merci d'avoir participé à ce live des plus zinzins. Où on a pu parler de sourdité, de plein de choses. À la prochaine, Tancred. J'ai eu pire que l'otite, la parasynthèse. Quand le tympan est tellement infecté qu'il se perce tout seul. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille, tu m'as sorti. Bah tu m'étonnes. Bah oui, oui. Ah, ça a l'air galère ton truc. Je suis à 60% à gauche et 70% à droite en déclin, mais ça peut laisser de graves problèmes. Il n'y a qu'à les pattes que tu peux regarder des lives le mardi à 15h. C'est plus un stream, c'est un téléthon, Jacques, qui nous a sorti. C'est le téléthon. Oh purée. Ok, on va rester sur ce petit jardin là. Moi j'aimerais bien avoir plus de branches et plus de pierres affûtées. Surtout des pierres affûtées. Je pense qu'on va spécialiser la recherche. Ah, c'est full buggé quand il est dans le coin là. Regardez, là je peux sélectionner normalement. Par contre, quand je suis là-bas, regardez ce que ça fait. Compliqué. Du coup, on se met pierre et je le remets là-bas. Oh purée, mais c'est terrible. C'est bon. On est spé pierre. Une algie vasculaire de la face. Qu'est-ce que c'est, Madine, une algie vasculaire de la face? Attends, algie. Ah, une paralysie, c'est ça? Ah bah ouais, on se fait tous malmener par ces zinzins. La moyenne d'âge de mes streams, 85 ans. En vrai, je pense que la moyenne d'âge, elle est à... On passe les 30. Je suis assez serein sur ça. On a Vercop ou Nukuls qui peuvent faire baisser la moyenne, vu qu'ils sont très jeunes. Mais on a quand même aussi des OG. Et qui font que, ouais, je pense qu'en termes de moyenne, on est plutôt... Merde. À 30. Stream de Daron. Ah bah, c'est stream de PZ, hein. Après, si vous voulez, on fait du GTA... Du GTA RP. Oula. Ouh, let's go, niveau 3. Ah putain, Vercop, je pensais que t'avais moins. Je pensais que t'étais à 14. Je suis désolé, Vercop. Je pensais que t'avais 14. C'est Nukuls qui a 14. C'est Nukuls, c'est Nolan. Voilà. En fait, sur le coup de mon exemple, j'étais confondu avec Nolan, en fait, c'est pour ça. Et merci pour le Zamanie. Je suis pas un gosse, moi. Ah, t'as 17 ans, donc techniquement, t'es pas majeur. Hein. Et salut, Maraudeur, comment ça va?
Céphalocystite, on change le nom, c'est une douleur derrière l'œil. Ah, t'as une douleur derrière l'œil constante, m'a dit. C'est une galère, ça. Je t'ai blessé, Vercop, mais non, ça va aller, t'inquiète. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va très bien, Maraudeur. Franchement, là, on a trouvé plein de trucs. Et on est sur une journée recherche. Donc, tranquille. Tranquille, je prends ce que la nature m'offre. Il est pas mal ce petit lac là. Si on peut appeler ça un lac. Cet étang. Merde. Persos. Ah mais William, tu sais qu'il y a... On a plus que 40 hein, normalement. Je suis en train de revenir vers la maison dans laquelle j'ai trouvé la torche. Enfin, le garage dans lequel j'ai trouvé la torche. Donc ça, c'est un lieu super important. Let's go, la pierre! Conservé dans la vodka, je fais pas mon âge. C'est la technique de la jeunesse éternelle. Je retournerais bien au lycée. C'est vrai, au lycée, c'était tranquille la vie. Hein. C'était bien. Salut Loug. C'est qu'un truc inventé. Bah en soi, le concept des années, c'est pratique. Mais après, on peut y accorder différentes importances selon nos sensibilités. Ça c'est clair. J'ai peur de me blesser avec mon trépeau fine. Ça pourrait me causer du tort de passer dans les arbres comme ça, sans faire attention. Les pétards à gogo du Counter-Strike, condition 0 à pas d'heure. Ah ouais, là ça remonte là. Du condition 0. On a fait un stream condition 0 il y a entre 1 et 2 mois, je me rappelle. On faisait les missions. Oh, ça va aller, Vercop, t'inquiète. Ça va aller, t'inquiète pas. La génétique et les gènes de vie, ça joue fort. Bah, clairement, William. Et t'as bien fait de préciser aussi que la génétique joue, c'est vrai. Et maintenant, tu veux que je crie? Ok. C'est qui l'assassin qui veut que je crie, là? Parce que là, je peux pas le voir directement. Je vais aller regarder. Fab, ça va Fab, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. La dernière fois c'est Axe qui nous a mis dans la merde, hein. Il nous a fait crier dans les immeubles ultra exigus. Hey, toi, hey Fab, tu me fais crier. Comme dit Levkill, t'as pas le choix, Vercop. Dans tous les cas, t'as pas le choix. Buvez. De l'eau, du jus d'orange, du jus de pomme. Du smoothie. Ce que vous voulez.
Moi, je bois de l'alcool uniquement sur PZ, les gars. C'est vrai que sur PZ, j'ai tendance à enchaîner les bouteilles de bourbon, de vin blanc, de vin rouge, mais c'est pour les calories. C'est pour les calories, les potos. C'est bien pratique. Sinon, en vrai de vrai, je ne bois pas. Ça marche, William. Bah, il est. Il... Attends, mais. 18h30. C'est éclairé, j'imagine, le terrain. Parce que sinon, tu vas pas voir grand-chose. Je crois qu'en fait, tous les. Il me semble que. Regardez. Toute la map, de ce que j'ai vu, à chaque fois que je fais de la recherche, tout est classifié en forêt dense. Regardez même sur les chemins. Donc techniquement, en marchant au milieu d'une autoroute, je peux quand même trouver des branches et tout le bordel. Ils ont pas codé de zones différentes en fonction de notre position pour la recherche. J'imagine que ça doit être dur à faire. Si c'est pour les calories. Mais si, Liefkill! Si, justement, c'était dans les Khrouchtchevka. Attends. Khrouchtchevka. C'était dans les Khrouchtchevka que Axe, il m'a fait crier. Justement. Il a débarqué sur le stream, il m'a fait crier, il s'est barré. Un assassin. C'était vraiment dedans. Sur PZ, j'ai laissé la strat médoc pour mimir. Ah, pour mourir, j'imagine. Avec de l'alcool et ça marche pas. Ça marche, je sais que ça marche avec les somnifères. Eh oui, il m'a mis dans la merde. Terrain en terre battue, couvert éclairé. Ok. Puis il fait moins 28 degrés dehors, mais c'est. Ah, mais on a passé Noël! On n'a pas fêté Noël sur l'aventure. C'est bien dommage. J'ai de la baie. J'ai trouvé que deux branches, par contre, c'est pas fou. Il faudrait que je commence à ramener des caisses là. Demain, je vais aller chercher des caisses. Soyez-en sûrs. Et tout mon bordel. Ah, tu me diras, je peux. Ouais, bah, je peux continuer à looter en fait. Enfin, à faire de la recherche. Dans mon jardin. Bah, tu vois, moi, l'IF-kill, c'est en faisant de la livraison. Parce que du coup, bah, des gens, t'en croises 40 000 en fait. Que ce soit les restaurateurs. Ou bien directement les clients. Et donc du coup forcément, au bout d'un moment, t'en as un peu plus rien à foutre de croiser des inconnus, t'as l'habitude. Ah oui, c'est moi qui avais droppé les vêtements là pour faire un. Pour vous montrer comment fonctionnait le. Les favoris dans l'inventaire. Écoutez, on est dans un endroit safe, donc on peut faire de la recherche jusqu'à pas d'heure, c'est pas grave. Mon mur est toujours là. Ok. Bah, je vais poser tout mon merdier par terre. Genre les pierres, les planches. Les pommes de pin, je vais les foutre au feu par contre. Il me semble que c'est 30 minutes par pomme de pin. Hein. Donc normalement, je peux passer la nuit juste avec les pommes de pin. Toc toc toc. Ouais, je fais comme ça.
Ah bah le collège c'est compliqué hein, Vercop, hein. C'est compliqué. Surtout maintenant. Avant c'était quand même plus simple le collège. Maintenant avec les réseaux sociaux, ouf. Ouf. Ça doit être compliqué. Force à ceux qui sont au collège ou qui sont parents d'enfants qui vont au collège, ça doit pas être simple. Alors du coup on a des B. Ça c'est chouette. Ah ouais non, on est bien en vrai. On peut passer une soirée B. Et puis voilà, je vais boire et c'est tout. Les jours vont pouvoir s'enchaîner assez vite hein, quand même. Hein. Je fêterai le nouvel an. Bah vous m'y ferez penser, hein. Quatre, c'est bon. Ajouter du carburant. Alors attendez. L'UNIF? C'est quoi l'UNIF, Lotus? Tu veux dire l'université? Ah c'est bon. Pomme de pain. 11 heures. On a 11 heures de carburant. Grâce à nos pommes de pain. Non, l'université, ça va, en vrai. Lotus. Et moi, l'université, c'était très simple. J'avais les cours magistraux, les cours obligatoires. Donc j'allais à tous les cours. Hein. Et en fait, j'habitais juste à côté de l'université. Donc à chaque fois que les cours ils se terminaient, soit je rentrais chez moi jouer, ou soit je partais directement m'entraîner en extérieur. J'étais à Avignon, pour ceux qui connaissent Avignon. J'ai bac plus 2, une licence en littérature appliquée, et pas le brevet. Mais c'est vrai que le brevet, il est... c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Je m'en souviens plus. Mais tu l'as pas eu parce que tu l'as pas fait, ou tu l'as pas eu parce que tu l'as bah, tout simplement pas eu? Après, dis-toi, Vercop, que tous les gens que tu croises aujourd'hui, y a de grandes chances que tu les que dans 2 ans, 3 ans, ils disparaissent de ta vie complètement. Donc, faut que t'en aies rien à foutre, quoi. Banger Avignon. Ah, elle est jolie la fac d'Avignon. Ouais. J'ai fait Staps. Obligatoire cette année. Ok, Loug. Ça a changé du coup. Du coup, je vais manger des baies. On devrait pouvoir terminer le bouquin. J'étais très malade pendant mes années collège et j'ai raté les examens. Faut de temps pour étudier et survivre en même temps. Ok, je comprends. Ouais. Regardez, on va le virer le modèle. Par contre, on perd du poids, hein, faut faire attention. Très bien que je retrouve de la margarine. Je suis à combien? Je suis à 62 kilos. Oh. C'est pas ouf, hein. Non, Apili. Non, non, non. Jamais de la vie. Ouais, oh, c'est sympa Avignon. Ah, moi j'ai bien aimé par rapport à toutes les missions que je pouvais faire là-bas. Entre le palais des papes, la prison, il y avait plein de trucs à faire à Avignon. Des petites missions, de l'exploration. Non, c'est top comme ville. Bon, je sais qu'il n'y a plus la prison maintenant, ça a été réhabilité, donc... Ce sont des appartements maintenant, il me semble.
Il a survécu au virus zombie. Après, il a dit qu'il était malade, donc autant il avait un truc chaud, tu vois. C'est possible, hein. Je suis très maigre. Est-ce que j'ai commencé maigre? Je m'en souviens plus, je crois que oui. J'ai fait de la prison? Non, du tout, Loug. Gros problème respiratoire. Et du coup, c'est derrière toi ou... Où t'as encore un traitement et tout le merdier. Je vais faire passer le temps. Je sais même plus si j'ai lecteur lent. On le finit le livre? Ouais, nice. Cool, cool, cool. Ok, recherche V2, c'est terminé. Je vais le laisser là. C'est notre premier livre lu. Donc c'est un peu un trophée, d'une certaine manière. Et on va dormir, tranquillement. Franchement, on est bien ici, hein. Il y a moyen qu'on survive vraiment longtemps, hein, si on fait pas de la merde. Et qu'on pose pas notre casque sur la touche échap. Que mon antivirus ne me fasse pas des dingueries. Oh, c'est beau avec le brouillard. Du coup, j'éteins. Hop. Genre l'escalade pendant ma seconde, ma prof m'a forcé à le faire. Ah bah ouais, du coup t'as dû prendre tarif, ouais, je vois. Ah, Verkop, faut que tu t'entraînes, Verkop, hein, par contre. Hein. It's very important, hein, my friend, hein. Salut Gus Gus. Faucille dans une main, marteau dans l'autre. Super soviet sur Project Zomboïde. Incroyable. Comment tu vas? Alors. Je drink, je remplis ma bouteille. Et on fait un petit point carte. Dans les toilettes. Il fait moins 31 degrés ce matin. Wow. Oh, dans les toilettes. Regardez, regardez le switch. Je passe de moins 31 à moins 9. Comme quoi, hein, les toilettes, c'est un endroit safe. Sachez-le. Alors, du coup. J'ai fait ça. Hein. Ouais, j'ai fait. Attendez, parce que là, j'ai un bug. Bug de mémoire, mais on est d'accord que ça c'est fait. Oui, ça je m'en rappelle. Faut qu'on fasse ça. Allez, let's go. Du boulot. Je me chauffe au méthane. Ouais, les toilettes sont de qualité et très, très bien isolées. De la laine de verre à ne plus savoir qu'en faire. Il n'y a même pas de porte en plus. Bah écoutez, on redescend. Je crois que c'est la première fois que je suis à moins 30 degrés. Il me semble que mon maximum c'était moins 28. Du coup on est sur une première. Hein. Il fait froid. Sur Project Russia. Par contre c'est loin quand même. Hein. Ça serait bien qu'on se chope une voiture. À moins 30 en vrai, ben Liefkill, non, je pense pas. Par contre, à moins 20, entre moins 20 et moins 25, oui, quand j'étais en Suède récemment là. Après, j'étais très bien habillé, donc ça va.
La hauteur, c'est-à-dire vers Cop. Moi, je parlais juste de la condition physique. Sport. Peu importe le sport, justement. Perso, moins 5, j'entre en hibernation. Non, en vrai, quand t'es bien équipé, ça va. Après, il y a aussi la durée d'exposition au froid. Bah, Gus Gus, j'imagine que non. Parce que j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai fait des hivers complets en très froid. Et vraiment, je crois que c'est la première fois que je suis à moins 30. Donc, pour les atteindre, faut y aller quand même. Ouais, bah c'est surtout le vent, l'IF kill, en vrai. Hein. Parce que si tu te prends un moins 15, moins 20 sec, et que t'es habillé, en vrai, de vrai, ça va, hein, et qu'il y a du soleil. Non, si l'escalade, ça te plaît pas, vers Cop, t'es pas obligé de faire de l'escalade. Si t'as un problème avec les hauteurs, etc. Après l'escalade, t'es pas obligé d'aller très haut hein, pour être bon en escalade ou pour te faire plaisir. Hein. Tu peux faire du bloc et devenir ultra balèze sans être obligé à monter super haut. J'ai peur d'être enfermé dans ce truc. Ok, il y a deux étagères. Double magazine. Menuiserie V2. Et pêche V2. Ok, ouais. Au niveau des livres, hein, Project Russia, c'est carré. Gus Gus, c'est par rapport au mode Barricaded World. C'est pour ça. Toutes les maisons, même les garages, tout, prennent des barricades dans la tronche, qu'elles soient en bois ou en métal. Ils veulent pas me le filer le volume 1. Ils veulent pas me le filer. Je le prends quand même parce que entre les bouquins que j'ai laissés dans le premier immeuble et les bouquins que j'ai trouvés maintenant, des fois j'inverse. Pâte à gâteau. Nice. On pourra peut-être faire un gâteau dans cette aventure. Oh. Pois cassé sec, chips, buck riff. Avec ses 3080 calories. Autrement dit, on trouve à peu près 5000 calories d'un coup, là. Carré. Un nouvel ouvre-boîte. Je vais le prendre. Et une bouteille de bière. Très très jolie cuisine. Mon croisé, ouais. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Magazine. Je pense que le jour où on fera la base militaire qu'il y avait au bout du pont, là, ça va être un bordel. Hein. Je pense qu'on va trouver des trucs de malade. Hein. Ben, j'espère. J'espère que ça sera pas un flop. Attendez. Et pourquoi il y a une autre pièce annexe là-bas? Ok. Très chelou, cette maison. Ah mais non, mais c'est le garage. Bon, ça va. Il est pas cheat le mode Barricaded World? Cheat, dans quel sens le tus? Non, c'est pas un bandage, c'est le casque de pompier qui est comme ça. En fait, c'est la visière que tu vois là, au-dessus. T'as bossé en intérieur dans un congélateur à moins 20 degrés. Ah, c'est vénère ça. Tu restais combien dedans? Ah bah j'espère qu'il y a du 12, hein, Gus Gus. Hein.
Y a intérêt même. Bon, ça je l'ai fait normalement. Oui. Je vais faire des lances avec, directement. Est-ce que j'ai un couteau? J'ai pas de couteau. Terrible. Bon, c'est pas grave. Bah, on n'a pas à mettre les barricades. Bah, après, le tus, en fait... À certains moments du jeu, c'est pratique. À d'autres, c'est compliqué. Ce qui change vraiment beaucoup de choses avec les barricades, c'est quand tu progresses dans un bâtiment et que tu as un imprévu. Autant, bref, tu croises des zombies, t'es dans le bâtiment, tu veux t'enfuir. Eh bien, si tu n'as pas checké avant toutes les sorties, les issues possibles, bah tu peux te retrouver face à une porte bloquée, une fenêtre bloquée et te retrouver enfermé dans la maison et mourir comme ça. Du coup, ça dépend. Ça peut être pratique au bout d'un moment aussi pour te récupérer des lances, pour crafter des lances facilement, si tu as un pied de biche ou un marteau. En fait, en fonction de ton gameplay et du moment de ta partie, ça peut être positif ou négatif. Mais dans tous les cas, ça restera toujours négatif pour progresser dans un bâtiment. Puisque ça, peu importe les armes que tu as, bah, tu peux avoir des mauvaises surprises. Si tu te retrouves bloqué dans des toilettes, derrière une fenêtre ou quoi que ce soit, c'est compliqué hein, à gérer. Ça marche, Loug. Passe une excellente journée. À la prochaine. On a un nouveau sauna à faire. Space Crew. PHV3, je suis sûr que je l'ai, mais c'est pas grave. Ok, il y a un Z qui est derrière, j'imagine. C'est moi qui a fait le carnage derrière? Ça me dit quelque chose ici. Ah ouais, je suis venu. Ok. Par contre, il y a un Z que je ne trouve pas. Et ça, c'est embêtant. Radio Amateur Premium Technology. 20 kilos. Autant vous dire que je suis pas trop chaud. Et cette maison, je sais pas si je l'ai fait. Aucune idée. Non, Lief Kill! Purée, j'y suis toujours pas allé à Decathlon, tu viens de m'y faire penser. Oh là là! Ah, j'espère qu'ils vont pas me faire des histoires. Hein. Là, faut que j'y aille du coup. Hein. Faut que j'y aille avant de me prendre une douille. Après, je leur dirai que j'étais occupé. De toute façon, je ferai le mec pas content. Tu sais, en mode genre. Hein, quand même. Je suis quand même parti en Laponie. C'était compliqué avec. Hein, vous imaginez bien, deuxième jour, la semelle se décolle. On m'a carrément prêté une paire de bottes là-bas. Ce qui est vrai. Sachez-le, c'est vrai. Heureusement, j'ai eu la chance de croiser un Français. Un Suisse, un francophone, du coup, qui bossait dans une agence d'activité, qui faisait des sorties raquettes. Donc j'ai sympathisé avec lui. Et c'est pendant la sortie raquette que les bottes, elles se sont foutues en l'air, quoi. Et du coup, le gars, il m'a dit, bah tiens... Y a pas de souci, prends une paire de bottes et tu la ramèneras avant de partir. Et donc du coup, il m'a passé une paire de bottes
de son truc. Donc très sympa le mec. Là, faudra que je leur mette des avis Google de ouf. J'ai l'impression que je suis déjà venu ici aussi. S'il n'y a pas de pile dans la radio, je suis venu. Ok, je suis venu. Très bien. C'est un bon indicateur, ça. Ouais, en général, ça va, l'IF kill, mais bon. On sait jamais, hein. Selon la personne sur qui tu tombes. 100 euros, CC. 100 euros, les bots. 99. Bon. On a bouclé le quartier, en fait. On a bouclé le quartier. Et ouais, CC. Du coup, voilà, faut pas se la prendre, la carotte, à 100 euros. Ok, ils sont pas venus. Pour l'instant, y a pas trop de passage hein, vers ici. J'ai trouvé plein de trucs, c'est génial. On va faire un petit point carte en se reposant. J'ai plus de place dans les meubles. Je vais mettre des trucs dans le frigo. C'est pas grave. La vie, premier jeu en mode hardcore. Ah oui. Après, Verkop, faudra que tu fasses des choix à des moments donnés. Hein. Tu pourras pas tout faire en même temps. Tu devras sacrifier des choses au détriment d'autres choses. Je vais manger la pâtée pour chien. Let's go. D'ailleurs, en voyant cette pâtée pour chien, ça me fait penser qu'il faudrait que je revienne sur Humanity Z. J'aimerais bien avoir un chien. On m'a dit que c'était possible. Il faut que je le fasse. Ouais, Sourine, regarde. Il est... là. C'est... The M3SS Twitch Stats. En gros, si tu marches... ouais, comme dit Dawn, si tu écris Twitch Stats, normalement, c'est bon. Ouais, c'est vrai, les F-kill, ça. Plus tu te casses la tête et moins t'auras le temps de faire des trucs. Je vais boire. Ouais, faire le point carte et après on va voir ce qui nous manque. Je vais aller dans les toilettes magiques. Attendez, on passe de moins 26 à 0. Il y a 26 degrés de différence entre l'extérieur des toilettes et l'intérieur. Il est encore plus performant que tout à l'heure, le toilette. Pas les WC. Ah, mais le nom, il est horrible. The M machin truc, ça n'a aucun sens. Il devrait juste écrire... stat. Non, en vrai, ouais, si tu retiens Twitch stat, c'est bon. Tu le trouves à tous les coups. Du coup, 62 kilos, perte de poids. Ça bouge pas. Et nous, ce qu'on va faire... bien, c'est noter tout ça. C'est quoi ça? C'est une maison? Je vais y aller. T'es cheat les toilettes. Ce sont les toilettes russes. Ils sont spéciaux. Un igloo, les chiottes. C'est ça. Ils ont des propriétés différentes. Bon, alors, c'est quoi ce bâtiment-là? Ah, ça doit être cette maison. Salut Nathan, comment vas-tu? Je pense que c'est là. Et ça, c'est quoi? Une fourchette. Ok. Là, si je prends la carte, logiquement... ok. Hey! La classe! Voilà.
Tac. Et en vrai, j'irai bien là-bas. Ça commence à être pas mal, hein? Regardez, j'ai l'impression que ça s'arrête. Et après, on repasse sur la grande route. Ça vaut le coup, hein? Attends, du coup, je prends la route et je prends tout droit. Ok. Ma base dedans où, Gus Gus? Dans les toilettes? J'enlève le chiotte, je mets une chaise à la place et je suis sûr de pas mourir de froid, c'est clair. Bon, on avance. Ça c'est fait. Je suis désolé, hein, je suis obligé de sortir la carte tout le temps parce que sinon j'y arrive pas. Voilà. T'as rien suivi, Nathan? Bah alors, Nathan, c'est quoi ces histoires? Eh bien écoute, on est au cinquième épisode d'une aventure qui a commencé la semaine dernière. Si ça t'intéresse, tu as toutes les rediffs sur la chaîne YouTube. Et du coup, nous sommes au... Eh bien, nous entamons le 20e jour de survie sur une carte complètement différente de celle qu'on connaît. On est sur Project Russia. Donc, nouvelles cartes, des nouveaux objets, des nouvelles armes, des nouvelles voitures, enfin bref, un nouveau jeu, un nouveau PZ. Et on a trouvé un endroit pour faire une base. Donc on est déjà pas mal avancé, en vrai de vrai, dans l'aventure. Cette maison, je l'ai pas marquée, je crois. Si, justement, elle est marquée. Donc, ça, j'ai pas fait. Il faut que je rentre par ici et que j'aille voir ce qu'il y a derrière. Ah, mais oui, pas d'accès. Je suis obligé de passer par-dessus. Oh là là, horrible. Là va y avoir du Z. C'est moi qui vous le dis. Oh, let's go. Je mets la radio juste là, juste pour récupérer les piles. Voilà. Parce que les piles, c'est la vie. Et ensuite, on a cette maison avec une ouverture, ouais, complète quand même, hein. Toilette, le petit lac qui fait plaisir, ok. Et un premier ennemi. Dommage. Oh, ça a l'air pas mal cette petite pièce là. Petite salle de stockage. Il est 17h par contre. Et salut Artion! Comment ça va? Nice. Ok. Je prends. Et là, on arrive sur la fameuse salle de stockage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Modèle standard automobile. Ça, c'est chouette. Journal. Ok.
Et ici, on a une boîte de clous. Très très bien. Première boîte de clous du jeu. Donc, cette maison, c'est bon. J'aime bien la fenêtre. Comme elle est foutue. Donc, on y voit un peu plus clair, là. Il me reste ça à faire, quoi. Juste ça. 17h40, j'ai la lampe. On va voir, en fonction de l'état de fatigue. Ah mais Sourine, t'as pas vu l'endroit où je me suis installé de base? Je vais te montrer après. Tu vas voir. L'endroit de ouf. J'ai carrément un sauna, j'ai un puits, j'ai un bordel. Un bordel pas possible. On va faire ça rapido. Il y a des aides là, c'est obligé. Encore une... Ouais, ok. Bon, c'est un petit peu ambitieux quand même hein, de l'avoir à la volée celui-là. Ok, grande route derrière, très bien. On délimite, c'est cool. Par contre, je sais pas s'il y a des... Mon dieu... Je sais pas s'il y a des maisons de survivants... sur la carte. Il y a une porte ouverte là-bas, ce qui m'inquiète. Elle est flippante la maison, hein. Pêche V2, je sais que je l'ai. Agri V1, je crois pas. Fil électrique. Puis attendez, il y a des trucs derrière là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Laissez-moi looter. En liberté. Bande dessinée. Livre. Ok, je vais mettre le carton là-haut. Freddy Big Balloon. Ok. Allez, la cuisine. Pommes pourries. Des pâtes. Excellent. Sauce marinara. Biscuits. Ouais, propre. Des allumettes. Excellente cuisine. Plaque de cuisson, je vais la prendre aussi. Double conserve, très très bien. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Stylo, des cartons, peinture, chemise, jupe, étui de guitare. Beaucoup de meubles hein, dans cette maison. Mon gros plein. Flat pâte bien gras. Il me faudrait du beurre avec. Je pourrais faire des pâtes au beurre. Techniquement, dernière maison. Il reste un truc à côté là-bas. On va aller voir. Garage. Et on arrive en bout de terrain, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On commence à vraiment avoir un plan d'ensemble sur le quartier. Ça, c'est tout petit. On est encore sur un sauna, je crois. Ouais, je vais tourner un peu dans le coin.
Attention à la stam par contre. Hein. Beurre salé s'il vous plaît. C'était Liefkill William sur Twitch qui m'a fait penser aux bots de Decathlon. Du coup, Liefkill, tu as aussi fait penser à William d'aller faire des courses. Et du coup, il te remercie. Kit de couture, drap, lac, souris morte, ok. Magazine, mot croisé, le téléphone, on le prend. Pour passer un coup de fil à un ami. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un lavabo? Dans une table. Ok. Je suis légèrement fatigué. Il y a comme une odeur de grid là. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire la maison maintenant. Mais bon, vous le savez, vous me connaissez. Vous avez l'habitude maintenant. Je vis dangereusement. Oh, toujours checker les sacs à dos, hein. Petite graine de tournesol qui fait plaisir. Des fois, vous pouvez trouver des paquets de chips. Plein de choses. Je crois avoir entendu quelque chose, mais je suis pas sûr. En plus, là, on est vraiment dans un bâtiment que je connais pas, donc... Autant vous dire que c'est pas simple. S'il y a un souci, là. Un nouveau sac de rando. Je vais le prendre. De toute façon, on est sur le dernier loot du jour, donc je peux prendre à peu près tout. Tout ce qui rentre dans le sac. Ok. On peut noter sur la carte que... Merde, je l'ai fait le truc derrière? Oui, c'était une serre. Regardez, c'est beau. On a fait vraiment tout le quartier là. Tac, 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 tac. Il faudra qu'on redescende pour faire la fin en bas. Et ça, qu'est-ce que c'est comme bâtiment? Aucune idée. Je crois que j'avais essayé de rentrer dedans, c'était chaud. Ça ressemble à une gare. Et là, on a la giga bibliothèque. Là-bas, la caserne de pompiers. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'on a fait toute la zone habitée. Enfin, les maisons, quoi. Donc, ouais, trop cool. On a bien avancé, là. On va rentrer à la... au checkpoint. Enfin, au checkpoint. Au QG. On rentre au QG. Et ensuite, on va se faire une petite journée détente. Où on va ranger des trucs dans la base, etc. Comme ça, en même temps, Sourine, elle pourra voir à quoi ça ressemble. Et puis, ça nous fait terminer le live tranquillement, quoi. Toujours moins 30 degrés par contre. Hein.
Ça pique. Vent effroyable, il y a écrit. Vous ressentez plus de 20 degrés d'écart avec que ce qu'il fait réellement. Effroyable. Tu veux être deg, je viens de trouver du beurre. Bah non, tant mieux pour toi, Gus Gus. Bah moi, tu sais, j'ai trouvé de la margarine tout à l'heure. Hein. Et j'ai le truc là, Buckwheat. Du coup, déjà, Sourine, tu vois, j'ai foutu deux murs en rondin là. Qui est le seul accès à ma zone. Pour mettre un peu de contexte. Ensuite, j'ai une petite maison. Et j'ai un groupe électrogène là, version Project Russia. Oh, tu verras mieux quand il fera jour. Donc là, pour l'instant, je mets tout à l'intérieur. Je fais le bordel. Tout dans le frigo. Je me casse pas la tête. On va faire une petite lecture au bord du feu. Et après, on va voir la base en plein jour. Je mettrai un réveil à 7h. Je pense que j'ai bouffé le buckwheat. C'est ici, hein? Non. Attends, je peux classer par catégorie directement. J'en ai deux en plus. 3000 calories, le machin. Bien vénère. Et comme bouquin, je lirai bien... Merde, je peux pas lire menuiserie. Est-ce que j'ai pêche V1? Ah, attends. Tous les magazines, là. Je vais tout lire. Ok, je vais prendre le reste. Je voulais pas faire ça. Toc, 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 toc. Bon, groupe électrogène, ça c'est fait. Celui-là, je l'ai. Spécial électronique V2. Je sais pas. Et dans l'autre meuble, il nous reste pêcheur V2, je l'ai. V2, je l'ai. Ingénieur V2. Je pense que je l'avais. Et voilà. Bah ouais, Liefkill, à fond. La margarine qui a sauvé ce personnage d'une fin certaine, d'une mort certaine. Par la fin. Ça marche, Baba. Passe une très bonne soirée. Et je te dis à la prochaine, mon copain. C'est du sarrasin. Mais c'est vraiment de la farine de sarrasin, du coup. Buckwheat. Attends, je vais boire. Par contre, techniquement, j'ai plus rien pour le feu, là. Non. Est-ce qu'on n'a pas un problème au niveau de la porte? 7 minutes. Ouais. 7 minutes, ouais, c'est pas beaucoup. Bah c'est pas grave. Je vais cramer toutes mes... J'ai tout cramé. Voilà. Je voulais faire un choix, mais sinon c'est bon. Allez. On se fait pas chier. J'en trouverai d'autres, des branches. Et voilà. Ouais, si tu veux, Simon, on se fait un petit point map après. Quand on aura allumé le feu et tout le tralala. Planche. Bâton, j'en prends 4, c'est bien. Et là, j'ajoute. Tac, tac, tac. Mais 6 branches, ça me fait 6 heures de carburant. Et une planche, combien ça apporte? 2 heures, j'imagine. On va voir. Deux heures. Ok, donc les 3 planches.
Excellent. Je déséquipe. La pile, ça passe dans le sac. La lampe torche, elle retourne ici. Toc, 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 toc. Je vais boire un coup. Non, j'ai pas soif. Ouais, en fait, il faut que je range les bâtons là qui font 4 kilos quand même. Avec la planche qui fait 500 grammes. Très bien. Bah non, j'ai pas allumé le feu, mais je suis... complètement zinzin, moi. Voilà. Allez, ça part de là, allumé, planche percée, bâton solide, on y va. Échec. Merde. Échec encore. J'ai enlevé tous les tout l'interface. Oh ! Un peu de respect quand même. Laissez-moi allumer ce feu. Bon sang. Voilà. On est très bien comme ça. Du coup, ce que je vais faire... je vais placer mon petit sac là. Planche percée, bâton, ça part ici. Je vais prendre... tac, tac, tac. Ça en fait du magazine. Je vais mettre en mode... en mode BG de ouf. Attendez. Tac. Ouais, ouais. Allez, je vais enlever les lunettes quand même. Il faut que je vire aussi mon tuyau. On va se laver un coup dans... est-ce que j'ai un truc pour me laver? Non, j'ai rien. Attendez, je vais remettre l'interface le temps de faire ça. Du coup, on va se faire le petit nettoyage dans le puits. À la dure. Il fait moins 32 degrés dehors. On est torse nu, il n'y a pas de souci. Ça fait partie du folklore. C'est comme ça que ça marche ici. Ah, je peux faire une voix RP genre. Ah, il fait vraiment froid aujourd'hui. Je sais que j'aurais dû mettre un t-shirt. Et puis ce vent, c'est terrible. Vivement que je sois propre. Ok, c'est bon, il est propre. Let's go. On y va. Je suis glacé. Ok, ça va mieux. Ah ouais, là on est pas mal là. Nice. On va lire comme ça nos magazines. Tranquillement. Et après, on se fait la petite nuit, tranquille. Et on va faire un petit basse-tour demain. Enfin, ça va aller vite, hein. Un tour de la parcelle. Et après, on regarde la carte. Tu le fais pas à moins 30 degrés, Elefkill?
Bah alors. Quand même. Aller se laver sous moins 30 degrés en extérieur, c'est un bon délire quand même. On pourra faire une pizza. Qui a déjà fait des pizzas sur PZ? Dénoncez-vous. Ou des cookies aux pépites de chocolat. Déjà fait, Sourine? Purée, moi j'ai jamais fait ce genre de truc. Mais ça serait bien que je m'y mette. Un gâteau. Faudrait que je fasse un gâteau. Est-ce qu'on peut faire un gâteau avec des baies, Sourine? De quoi, Simon? De faire des gâteaux? Ou des pizzas? Ouais, même pas une seule pizza. Même de la nourriture, j'ai mangé que de la nourriture. Tout à fait, ok. Après, il faut obligatoirement de la farine et de la levure, non? Ça serait bien qu'à partir de rien, on puisse faire un gâteau. C'est le genre de truc que tu fais en multi, ouais. Des pizzas. Bah moi, j'en ai jamais vu... Ah si, tu peux en trouver en apocalypse. En apocalypse. Des parts de pizza. Tu peux en trouver, ouais. En solo, t'as autre chose à faire. Bah ouais, surtout que... Après, ça dépend de la difficulté de chacun, mais... c'est compliqué de se retrouver avec le confort... se permettant de te faire une pizza, quoi. De te dire, ah bah tiens... Je suis bien, je vais me faire une pizza. Juste après les magazines, Simon. Juste après les magazines, on jette un coup d'œil à la map. On fera pause, de toute façon, pour... pas que le personnage soit trop fatigué demain. Combien il ressent, là? 21 degrés. Ah, mais il est 2h30. Wow. Mine de rien, on s'approche du mois de survie pour l'instant. Ça va arriver assez vite, je pense. Allez, dernier magazine. Le Buckwheat. 3080 calories. Et salut Nolan, comment ça va? Comment va Mister Nolan? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est en forme? Est-ce que sa journée l'a régalé? Dis-moi! Il mange très vite, n'empêche. Grosse dépression. Ça a l'air dégueulasse, mais ça remplit. Bah, ça va très bien, Nolan. Très très bien. Je suis en grande forme. Hop! Allez, on fait une petite pause. Le temps de regarder la carte. Eh oui. Du coup, mon cher Simon, on a commencé dans cette ville. J'ai commencé ici, mon spawn. C'était la merde. Du coup, je suis parti dans les bois. Je suis remonté et j'ai réussi à atteindre ce bâtiment. Dans lequel je me suis fait un petit avant-poste à l'étage. Tout en haut, au troisième étage. Ensuite, là, il y avait des centaines de Z. Ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Bref, le gros bordel. Station essence. Et là-bas, j'ai découvert qu'il y avait apparemment ce qui semblerait être une base militaire. Bon, j'ai pas pu y aller, tu vois. J'ai dû repartir en arrière. Et ensuite, on a eu un grand voyage à cause de l'hélicoptère. Et un énorme voyage à pied. Regarde, on est parti de là-bas. Tac, 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 pour rejoindre cette ville. Et du coup, ben, j'ai réussi à trouver ce petit quartier résidentiel, et notamment cette maison, qui, je vais vous la montrer au réveil, est vraiment chouette. Très, très bien foutue. Et là, on a plein de choses à explorer.
Je sais pas ce que c'est tous ces trucs. Ça, c'est une bibliothèque. Une énorme bibliothèque. Avec le portrait de Lénine, d'ailleurs, sur la devanture. Donc, je sais pas, il y a probablement un commissariat quelque part. J'imagine. Enfin, quoique, il n'y a pas de code couleur, c'est bizarre. C'est vrai, ça, il n'y a pas de code couleur ici. Alors que dans la ville précédente, il y en avait. Pour délimiter les commerces, etc. Oui, par exemple, une station essence, elle est en verte. Alors que là, on n'est que sur du résidentiel, au final. J'espère qu'on aura quand même des trucs intéressants. Nazarovo, la ville, elle s'appelle Gus Gus. Celle-là, de départ, là, la grande. Faudra que je traduise les panneaux. Et puis voilà. Voilà Simon. On en est là. Et aujourd'hui, on a fait l'essentiel des maisons, tu vois. On a bouclé le nord du village. Et il nous reste à descendre un peu plus bas là. Je pense que ça doit s'arrêter vers ici, là, pas plus loin. Du coup, voilà. Ça marche, William. Passe une très bonne soirée et un très bon entraînement de tennis. Régale-toi bien. Et à la prochaine, mon cher William. À la prochaine. Dédé, c'est 6 mois plus tard, oui. Oui, 6 mois plus tard. Chope une voiture, j'aimerais bien, Simon. Mais c'est pas simple. Il y a une Lada garée ici. Mais il faut qu'on fasse les fils et il nous faut de l'essence. C'est pas simple, hein, au niveau des bagnoles, hein. Après, je les ai réglés en super rare. C'est pour ça. J'ai ma part de responsabilité. Du coup, dodo, hop. J'ai pas mis de réveil par contre, donc il y a moyen qu'on se lève un peu tard. Oh, midi, ça me va. Oh, les cheveux qu'on poussait pendant la nuit! La dinguerie! Regardez ce réveil! Regardez ce réveil! Non! Incroyable! La pousse! La pousse instantanée! C'est génial! On va profiter de cette nouvelle coiffure. Dinguerie. Ça, c'est de la pousse qui pousse. Wow, good Wow! job! Petit raton deviendra grand. Merci beaucoup pour ton La barbe, abonnement. je l'ai déjà dédé. Merci beaucoup, Sancho, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Comment vas-tu, Sancho? Et bienvenue sur le stream. J'ai l'impression que qu'on n'a jamais parlé sur le stream, Sancho. Je suis assez surpris de ton abonnement, mais merci beaucoup. C'est un mode pour les cheveux? Non, du tout, Simon. Non, non, les cheveux poussent avec le temps. Enfin, il faut que tu laisses la pousse des cheveux. Tu peux le désactiver, mais en principe, ça pousse. Du coup, mes magazines lus, je les mettrais bien dans la caisse là. Parce que j'en ai plus besoin. Je pourrais les cramer. Voilà. Alors, Sourine, est-ce que tu es encore là? Je te suis depuis 3-4 jours sur Project Crusoid. C'est gentil, Sancho, merci. Merci beaucoup. C'est très généreux. Ça fait plaisir, Sancho. Grand merci et puis content de savoir que l'aventure te plaît. Moi, elle me plaît beaucoup en tout cas. Alors, du coup, Sourine, tu vois ce petit chalet? Eh bien, c'est un sauna. Enfin, dans l'idée, ils ont voulu faire un sauna. Donc, il y avait déjà le poêle à bois, comme tu as pu le voir, le petit banc, etc. Cette petite avancée un peu spéciale. Donc, on est dans le sauna. Ensuite, ce qui est cool, c'est qu'on a une palissade qui fait tout le tour. Je fais un tour en courant, comme ça, tu te rends compte un peu de la taille du bazar.
C'est costaud. Là, on a des toilettes magiques dans lesquelles, tu vois, ici, il fait moins 30 degrés et en rentrant, hop là, moins 7. Donc, c'est les toilettes ultra isolées de Russie. Incroyable. Et regarde, ici, ce n'est pas un simple tonneau ou je ne sais quoi. C'est un foutu puits. C'est un puits, donc avec de l'eau illimitée. Un régal. Donc, on est indépendant en eau. Maintenant, on a une maison. Tac, tac, tac. Alors, la maison, elle est pas ouf, Sourine. Le groupe électrogène, c'est moi qui l'ai ramené. Donc, tu le vois. Tac, tac, tac. Et donc, la maison dispose d'une toute petite cuisine avec un poêle à bois. Petit salon. Rien de zinzin. Une petite chambre. Enfin, bref. C'est pas foufou, mais bon. Quand on va monter la menuiserie, on pourra éventuellement agrandir, rajouter des choses, etc. Et au final, le seul point d'entrée de la base se trouve là. Donc on a mis deux cubes. J'appelle ça des cubes. Voilà. Deux sections de rondins pour clôturer. Du coup, voilà pour l'instant le la dynamique. Du coup, c'est pas mal, hein. On pourra faire de l'agriculture, avec le puits on sera tranquille. Et on peut même faire de la recherche directement chez nous, donc c'est vraiment carré. Je fais une petite pause hein, pour répondre à tous les messages, plein de messages d'un coup. Toc, 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 toc. Merci Sancho, merci, merci. Salut Bicouli, comment vas-tu? C'est Bicouli ou Bicoulin, je me rappelle plus, Bicouli. Les toilettes magiques. Ouais, le puits, c'est excellent. Excellent, excellent. Non, vraiment, on est très très bien là. C'est chouette comme endroit. Bon, je suis en train de regarder l'heure. Attendez, mon sac. Ah, merde, je l'ai laissé à l'intérieur. Je suis en train de regarder l'heure là, IRL. Et c'est l'heure d'aller au travail. Attendez, il faut que je prenne mon sac. Tac, tac, tac. Merde. Je vais trop vite. Faut que je me calme. Hop. Voilà. Mon sac est équipé. 21e jour de survie qui débute aujourd'hui. Moins 28 degrés encore une fois. Au niveau des talents, recherche, on a passé le level 3. L'entretien, on se dirige vers le niveau 5. Ça va assez vite. Contendante courte, on a chopé le 4. Et la menuiserie, ça sera les prochains enjeux. On va monter. Bien sûr, l'objectif, c'est le 7. Pour pouvoir avoir toutes les construits en excellente forme. La force, ça monte aussi au fur et à mesure. Et puis voilà, dans l'ensemble, notre stick Takaïev est à 61 kg. Donc attention, ça va piquer. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce 5e épisode sur notre aventure avec Stig Takaïev. Ouais. Donc la prochaine fois, on pourra continuer notre avancée sur la base, installer des rangements, oui. Donc on ira chercher des caisses, on mettra des caisses, et puis on essaiera d'organiser un petit peu tout le merdier. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Pour ceux qui sont en live, merci d'avoir aussi contribué au chat, à l'interaction, et oui. Et pensez à laisser un pouce bleu. Hey, oui, c'est important, je compte sur vous. C'était Spiflo, fin de communication et à la prochaine pour le 6e épisode.